Salut tout le monde! Est-ce qu'on m'entend? Attendez, faut que je clique sur le bon truc, c'est lequel? Suspense, j'ai peur d'appuyer sur le mauvais. Allez, j'essaye, voilà! Bonjour! Comment vous allez? Est-ce que vous m'entendez bien quand je mets le micro un peu loin comme ça? Parce que c'est un peu le bazar partout. Et j'ai plein de trucs à garder sous les yeux. Et bien sûr, c'est maintenant que je reçois tous mes mails. On l'adore! Comment vous allez tous bien? C'est trop mignon, Alexis. J'allais dire, bah ça t'apprendra à fumer, mais je suis mal placée, n'est-ce pas? Comment vous allez? Moi, je veux savoir comment vous allez avant de vous annoncer que j'ai fait un PowerPoint. Ça faisait longtemps. Longue vie au PowerPoint. Ou pas. Coucou Nadiouche, coucou Milédiouche, coucou Vandouche. Il y a beaucoup de ouche. Coucou Christouche. Ça marche pas, là. Comment vous allez? Moi, je veux savoir si vous avez la forme ou pas. Parlons-en. Ah oui, c'est vrai. Mince. Attendez. J'ai tout ce qu'il me faut. Parce que qui dit PowerPoint dit forcément organisation chaotique. Alors, comment je vais faire mon compte? Vous avez vu, normalement, c'est un live spécial aujourd'hui. Hé, hey, coucou Yinou, ça fait trop plaisir de te voir là. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es perdu sur YouTube, avoue. Alors attendez, on va y arriver. Je sais que j'aurais dû faire ça avant, mais je voulais pas vous faire attendre trop longtemps parce que vous attendez toujours super longtemps après. Ah, non, c'était pas ça. En fait, pour vous expliquer ce que je suis en train de faire, j'essaye de trouver le live sur mon appli portable. Comme ça, je vous mets sur le portable parce que quand je vais vous partager l'écran, je ne verrai plus ce que vous dites, ce qui va être embêtant. Donc, ah, on m'entend parler, au secours, voilà. Super. Génial, hop. Voilà, Milédia, t'es trop mignonne, j'ai vu que t'avais partagé le truc sur les Discord. Coucou Christelle, j'allais dire Christelle 2, mais c'est un peu réducteur. Coucou Didi Spy, comment vous allez tous bien? Est-ce que je vous ai dit que j'avais fait un PowerPoint? La meuf qui force avec son PowerPoint. Non, en fait, je vous explique. À la base, j'avais prévu de faire un truc un peu à l'arrache, et après, je me suis un peu éclatée toute l'après-midi à faire ça. Et ça m'a empêché de penser un moment, du coup ça m'a fait du bien. Du coup, c'est utile, maintenant vous avez quelque chose à vous mettre sous la dent, en plus de la roue, comme ça. Et a priori, j'ai des bons trucs à dire, enfin je crois, j'espère. Ça me paraissait très bon sur le moment où je l'ai préparé, donc on va voir si j'avais raison ou pas. Et on va voir tout ça. Est-ce que ça vous tente? Ah, sérieux? Genre t'es venu de ton plein gré, ça veut dire Inou? Moi qui me disais, bon, il passe, il dit bonjour comme ça, histoire d'être poli, tu parles. Bon alors, attendez. Maintenant, du coup, j'ai pas ouvert le PowerPoint. C'était bien la peine de se casser les fesses à le faire. Ah, il est là, je l'ai. Bon, alors, ne vous attendez pas à un truc de dingue. Hein. Je me suis beaucoup amusée, on va présenter ça comme ça. J'ai fermé toutes les fenêtres qui servent à rien parce qu'il y en a beaucoup, croyez-moi. Et on va voir ça ensemble. Oui. Je vais y arriver. Ok. Ok. Ah non. Pas ok. Ah. Je vais y arriver, voilà. Alors, est-ce que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Parce que, en vrai, je l'ai dit de manière très discrète. C'est lequel? C'est celui-là. Écran plus webcam, ouais. Bon, a priori, je peux vous lire, et de toute façon, bah, Milédia est toujours là pour assurer en cas de souci, donc... Milédia forever, hein. Et j'espère que ça va vous plaire, même si très sincèrement, je me suis pas énormément fatiguée, et il est fort probable que, sur le coup, je trouvais ça génial, et que maintenant, je trouve ça nul, mais au moins, vous êtes préparés, ça va le faire. Alors, is everybody ready? Mélanie qui parle anglais, on adore. Ah, mais j'en ai marre, pourquoi ça me fait ça? Hop. Bon, moi j'attends de voir déjà si je reçois vos messages. Ah, je suis en top chat. Je vous jure, YouTube c'est compliqué à utiliser. Il y a toujours des bugs. En fait, moi j'arrive toujours sur des pages. Je me dis, mais comment j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'atterrisse sur cette page là? Enfin bref. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que là vous me parlez? Parce que moi j'ai l'impression de rien voir sur mon petit écran. Ah! Milédia, est-ce que tu m'entends? Je sais que Milédia, elle aura pas le choix de mettre un truc. Donc, Milédia, si tu m'entends, j'attends un petit truc. Ou alors,
Ou alors la connexion, elle a bugué sur le portable, ce qui serait triste. Parce que Milady ne me dit rien, c'est très curieux. Bon, alors, attendez. Hop. Ça a pas bugué. Ça a pas bugué. Génial. Ok, alors. Écranception, le retour. Et maintenant, je ne vois plus le chat. Bon, honnêtement, je sais pas combien de temps ça va durer, je vous avoue. Pas le bug, j'entends, mais... Il y a tous vos messages qui sont arrivés en même temps. Merveilleux. La flamme aiguë qui nous empêche d'avancer. C'est un beau récapitulatif. Coucou Damon Pin. Alors, chers amis. Il n'y a pas énormément de slides sur ce PowerPoint. Pour une fois, je suis très fière de moi. J'ai réussi à faire court. Enfin, j'ai réussi à faire court au niveau des PowerPoints. C'est pas ce qui est dit. Ah, Rash, ça fait trop longtemps. Comment tu vas? Que je vous transmette mon énergie. Alors là, on est sur une énergie... Ah, voilà. On est sur une énergie de flemme, slash cocooning, slash il fait pas beau dehors, slash quand est-ce qu'on rallume le chauffage. Est-ce que vraiment ça vaut la peine que je transmette ça? Enfin bref, on va attaquer parce que sinon je vais passer des heures à vous dire des conneries. Alors, en fait, je vais quand même passer des heures à vous dire des conneries, donc préparez-vous. Surtout pour le début où je me suis forcément grave lâchée, mais c'est pas grave. Personne me juge. Salut Ilia, Ilia, c'est dur à dire Ilia, voilà, le retour des soupes maison grave. Bon alors, ladies and gentlemen, Her Majesty, the Wonder Whale Queen of PowerPoints, presents. J'étais obligée, je suis désolée, je vous ai dit que je me suis tapé une grosse barre. Enfin bref, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir How to get away with la flemme. Vous avez vu ce super effet de montage, sérieusement, si ça, ça vaut pas un prix, sérieux. Un live avec des animations nulles pour vous motiver à passer à l'action. Oui. On adore. Bon, j'ai essayé de faire un truc plus visuel que d'habitude, parce que d'habitude, je vous mets des lignes de texte et je parle par-dessus. Je suis désolée, mon élocution du mercredi soir, on adore. Et du coup, on va voir ça. On va voir ça. Donc j'espère que ça vous parle. Je pense... Christelle, tu me fais rire. Je pense que ça va vous parler, en tout cas, je pense que ça va intéresser certains d'entre vous pour plusieurs raisons, dont une que j'ai voulu mettre en avant parce que j'avais pas d'idée sur comment remplir cette slide, je vous avoue. Donc pourquoi on parle de ça aujourd'hui? On parle de ça aujourd'hui parce que J-84, les amis. J-84. Merci à Vendouche pour cette belle image. Je tiens à lui dire merci. C'est grâce à elle, voilà. Bon. J-84, pourquoi? Pour le nouvel an, pour 2020. Et quand on réfléchit au nouvel an, à 2020 et tout ça, on se dit, mais mince, en fait, les résolutions que j'ai fait au début d'année, où est-ce que j'en suis en vrai? Et J-84, les gars, J-84, est-ce que vous avez atteint un petit peu tout ce que vous aviez prévu d'atteindre? Dites-moi, est-ce que... Enfin, là, maintenant que je vous ai mis ça dans la face et que je vous ai dit, ah, prise de conscience. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli cette année, ou est-ce que vous vous dites « Ah mon Dieu, c'est dans si peu de temps !» J'ai l'impression qu'on se dit surtout que c'est dans si peu de temps, je crois. Attendez. Oh, j'ai encore un bug! Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, est-ce que vraiment vous avez eu le temps de faire tout ce que vous aviez préparé? Enfin, tout ce que vous aviez prévu. Vous savez, genre le nouvel an, on va tous se faire le coup de « Ouais, alors cette année, je vais voyager, puis je vais apprendre à parler japonais, puis je vais créer mon blog, et ce genre de choses. » Hein? Est-ce que vous avez fait des petits, des petits objectifs comme ça? Ou est-ce qu'il y a que moi qui m'éclate à faire ça à tous les premiers de l'an? Ah, c'est clair, Milédia, c'est clair. Le permis... Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui se disent qu'ils vont passer le permis depuis au moins 4 ans? J'ai fait des trucs mais pas tout. Ouais, bah au moins t'as fait des trucs. Moi là ici, c'est vrai que forcément, vu de quoi je parle habituellement, je parle pas forcément de choses généralistes, vous en doutez. Je vous parle surtout de tout ce qui est de l'ordre de vos projets, le genre de truc pour lequel on doit se réjouir un petit peu, vous savez. Genre quand vous avez une super idée de business et que vous dites « Ouais, je vais faire ça cette année, c'est trop cool !» Et finalement vous dites « Ouais... » là, J-84, et en fait, j'ai même pas encore créé mon blog, j'ai même pas créé mes offres, j'ai rien fait, c'est triste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît un petit peu là-dedans? Dites-moi. Damon Pin et les poneys, c'est une grande histoire, je vous assure. J'aurais dû faire un PowerPoint dessus, la prochaine fois. Salut, c'est Emmanuel, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, et si je dis pas de bêtises, franchement, quelle mémoire. Il y a une semaine. Et tu te l'étais planifié au début de l'année ou pas?
Bon, Christelle, après, tu sais, franchement, je dis ça parce que je sais que ça concerne beaucoup d'entre vous, sinon j'en parlerai pas. J'ai pas fait mon blog. Oh, rage, sérieux. Team Licorne, trop mignon. J'ai quitté mon job pour voyager. Ah, ça y est, tu me l'as peut-être déjà dit, j'ai peut-être zappé, je t'avoue. T'as rien fait niveau création de business, Inou? Et t'as des trucs de prévu? Enfin, je dis ça, mais là, je suis encore en train de me dire. De toute façon, je vous ai dit, il n'y avait pas beaucoup de slides, donc je vais parler posément et raconter ma vie comme d'habitude. Hein. heures par jour pour essayer de comprendre les techniques. Waouh. Il faut faire son blé. J'adore Milady, elle me fait trop rire. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je m'adresse à ceux d'entre vous hein, qui travaillent à la maison, ouais, ou alors qui ont envie de travailler à la maison et qui sont dans ce mood-là depuis un moment, parce que je dois être la seule à faire ça, je vous avoue, mais je regarde souvent qui ouvre mes mails et qui clique dessus et ce genre de trucs, j'adore faire ça, c'est un de mes vices. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui... Enfin, vous savez, sur l'autorépondeur, on peut voir justement depuis combien de temps vous êtes inscrit. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens que... enfin, qui sont dans ma mailing list, qui sont inscrits depuis un an facile, et qui ont l'air d'être toujours un peu au même stade, et c'est dommage. Donc je m'adresse aussi à vous, chers amis, vous qui avez envie de devenir votre propre patron, je déteste cette phrase toute fraîche, toute faite, mais bon, c'est comme ça, hein, n'est-ce pas? Voilà, est-ce que vous pensez que je suis à peu près au bon endroit pour parler de ça, ou est-ce qu'on se fait plutôt un live sur les Sims 4, auquel cas je suis grave partante. Je suis à fond dans la construction de manoirs en ce moment, franchement j'ai compris comment faire des beaux manoirs, je vous jure qu'on a du contenu là aussi. Bref, je pars trop loin, grave. Bref, ça s'adresse à vous si vous êtes dans cette situation-là, mais surtout si vous comprenez pas pourquoi, bah vous arrivez pas à vous y mettre en fait, et pourquoi les choses stagnent, pourquoi ça fait depuis 3 mois que vous dites que vous devez faire tel ou tel truc et que vous ne l'avez pas fait. Et croyez-moi, je vous comprends, parce que ça fait depuis au moins un an que je dois faire plein de trucs, mais plein de petits trucs super stupides que je ne fais pas par flemme. Et du coup, peut-être que vous êtes aussi dans une situation où, voilà, bah, financièrement, on va pas se mentir, il y a un moment donné, faut avoir de quoi manger, faut avoir de quoi payer son loyer, ce serait cool. Et peut-être même que vous êtes, enfin, certains d'entre vous ici, justement, Inou le disait tout à l'heure, ont quitté leur travail, mais est-ce qu'il y a des actions qui sont posées derrière, les amis? Ou est-ce que, voilà, on a tout laissé en plan, on sait pas trop, etc. Bon. Si on sait pas trop, rassurez-vous, on est là pour ça aujourd'hui, et l'idée c'est justement de vous aider si vous n'arrivez pas trop à, éclore comme une belle fleur que vous êtes. C'est la pire métaphore du monde, je vous jure, c'est vraiment la pire métaphore du monde. Le pire étant que je l'ai préparé, parce que sinon on n'aurait pas eu cette petite image de fleur, vous vous rendez compte quand même, hein. Bref, en Colombie, oh, trop bien, j'espère que tu nous partageras les stories Insta, moi j'ai kiffé tes stories Insta à Tokyo, j'ai voyagé pendant tout le mois grâce à Inou, abonnez-vous à Inou, c'est le super meilleur photographe du monde. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est un très bon photographe. Ah, c'est trop bien, grave Emmanuel, félicitations. Alors enfin bref, du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui, et très certainement, je vais peut-être pas rentrer grave dans les détails, l'idée c'est de discuter un peu avec vous, c'est pour ça que j'ai pas fait un truc non plus fou. Moi j'aimerais quand même vous parler de quelques petits trucs, et si jamais, voilà, ça nous fait dévier sur d'autres sujets, on est aussi là pour ça, et si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai imprimé le truc pour me souvenir de ce que j'avais à vous dire, parce que je n'ai pas de tête. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi vous avez tendance à procrastiner, à repousser les choses, à pas faire les choses, tout simplement. Enfin, je dis procrastiner, mais enfin, j'ai l'impression que c'est pas toujours une question de procrastination pure. Je sais pas, dans ma tête, je sais pas si c'est comme vous, mais la procrastination, c'est... Pour moi, il y a un côté clinique là-dedans, mais peut-être que je... peut-être que je fais un drame pour rien. Mais c'est pas comme avoir la flemme. La procrastination, pour moi, c'est plus grave. Enfin, bref. On va voir aussi ce qui vous empêche vraiment d'avancer et ce qui vous fait donc procrastiner et ce qui peut expliquer peut-être que vous n'avanciez pas alors que peut-être que vous passez des heures dessus et vous avez l'impression de pas avancer et vous comprenez pas pourquoi, c'est possible aussi. Et on va voir bien sûr comment se motiver à passer à l'action. Par ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à la fin, bien entendu, je vais vous parler des Royals parce que c'est un peu le live spécial des Royals. Mais je veux aussi qu'on parle de la flemme parce que on n'est pas vraiment dans une période... propice à la motivation, j'ai l'impression, mais c'est peut-être très personnel ce que je dis encore une fois. Tout ça pour dire que l'objectif de ce live, c'est de vous aider à comprendre pourquoi vous n'avancez pas,
parce que c'est important de le comprendre, et de vous donner des astuces, productivité, efficacité, tout ce qu'on aime, parce que il y a plein de gens, et je le prends vraiment très bien, et du coup ça me donne un melon pas possible, mais il y a plein de gens qui me disent toujours « Mais comment tu fais pour faire toujours plein de trucs, etc. Où tu trouves la force ?» Aujourd'hui, les amis, je vous révèle mes secrets pour être tout le temps aussi en forme qu'une vache sous cocaïne. Bref, c'était le pire exemple du monde. Celui-ci, je l'ai pas préparé, il n'y a pas d'émoji. Mais on est prêt pour ça. Et je suis très lourde ce soir, dis donc. C'est horrible. Même moi, je m'insupporte. Oui. Et j'ai perdu le fil, les amis. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire oui. Tout ça dans l'objectif, bien sûr, de vous aider à développer votre business, parce qu'on est un peu là pour ça, même si... entre deux gloussements, on peut vite l'oublier. Donc, attaquons tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on a la flemme? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, sérieusement? Pourquoi vous avez la flemme? Dites-moi. J'ai classé hein, mon petit truc, mais j'aimerais bien avoir votre explication là-dessus. D'où vient la flemme? Allez, on est parti. Vous avez 4 heures. Non mais répondez avant 4 heures, s'il vous plaît, parce que sinon, moi je vais continuer à dire des conneries et ça va pas le faire. Dites-moi. Dites-moi. J'attends. J'en profite pour boire dans le thé, parce que bien sûr, il y a du thé. Je tiens mes promesses. J'espère que vous répondez pas, parce que vous m'envoyez des grands messages, là. Parce que la tâche est soit chiante à faire, soit la récompense est dans beaucoup trop longtemps. Mais justement, tu sais, Milédia, parce que bon, vous savez, Milédia, c'est mon assistante, donc avant le live, je lui ai dit « Ouais, je vais parler de ci, je vais parler de ça, donc garde ces liens-là à proximité. » Et il y a un lien en particulier que j'ai hésité à te dire de garder, et du coup, j'aurais dû te le dire, parce que là, du coup, je vais en parler. C'est la vidéo de PsychoQuack, je crois que c'est ça, le nom de sa chaîne, qu'on a partagé sur le Discord il y a pas longtemps, et qui est super intéressante d'ailleurs, si jamais vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller voir ça. Et je suis persuadée qu'à cause de moi, Milady est en train de fouiller partout alors qu'elle se disait « Ouais, trop bien, je suis bien organisée !» Donc voilà. Ça va, tu le prends avec zénitude. Manque de confiance en soi, hein. Manque de confiance en soi. Genre t'as l'impression que t'es pas assez bien et du coup tu veux pas le faire, c'est ça? Hé, hey, coucou James, comment ça va? Trop de choses à faire, du coup on sait pas par où commencer. Ça nous démotive. Ouais. Ça aussi, c'est un truc... je l'ai mis, mais on va y revenir. On a la flemme parce qu'on a perdu la flamme. Ça m'éclate que ce soit toi qui dise ça, mais... voilà, au moins. Oui, du coup, Milédia vous a mis le lien de la vidéo, si jamais. Si notre objectif... Objectif? Si notre objectif final nous fait peur et on a du mal à commencer devant la lourdeur de la tâche à accomplir parce qu'on n'a pas défini des petits objectifs précis. Ouais, je suis grave d'accord avec vos réponses. C'est vrai que j'ai un peu mis un petit peu de tout ça. Moi, je l'ai un peu découpé, en fait. En fait, moi, déjà, pour comprendre la flemme dans ma tête, je l'ai découpé en 4 sortes de flemme. Est-ce que vraiment ça se fait? Enfin, 4 formes de raisons pour lesquelles vous avez la flemme. J'arrive pas à parler les mercredis soirs. Je sais pas pourquoi je persiste comme ça à vouloir faire des lives le mercredi soir, alors qu'à chaque fois, je vous aligne pas deux mots sans faire une faute de français ou de prononciation. Bref, je vais y arriver. Alors, mes types de flemme, là où je voulais en venir, c'est que pour moi, il y a plusieurs types de flemme. Donc, premier cas de figure, vous êtes un petit peu fatigué. Ce qui est possible, hein, franchement, on est tous un peu fatigués. Surtout si on reste toute notre journée devant l'ordinateur, on se dit, enfin, c'est pas une fatigue physique dans le sens où peut-être que vous êtes plus habitué à avoir un métier manuel, un métier où on bouge partout. Moi, je sais que dans certains métiers que j'avais fait, bah, avant d'être caissière, j'étais serveuse en restauration rapide, c'était un grand moment de ma vie, ça aussi. Et je restais debout toute la journée. Donc quand je rentrais, j'étais mais éclatée. Mais vous avez même pas idée à quel point j'étais fatiguée, genre je pouvais rien faire, genre abruti et fini de toutes ces histoires. Bref, j'étais très fatiguée parce que j'étais debout tout le temps et je bougeais et je courais tout le temps partout et je piétinais. Enfin bref, c'était génial. Et quand je suis passée, quand je suis devenue caissière, rien que le fait d'être assise, dans ma tête, je me disais « Ah, c'est cool, je suis posée. » Seule fille qui est contente d'être assise en caisse. Et peut-être que vous vous êtes dit ça, en fait, quand vous avez commencé à bosser en ligne, vous vous êtes dit « Ouais, tranquille, chill, je vais rester assise derrière le PC, ça demande pas trop de force, etc. » Mais pour moi, c'est une autre forme de fatigue. Cette fatigue, elle peut s'expliquer de plusieurs manières, je pense, quand même. Hein. Il y a plein de raisons, hein.
On pourrait aussi citer éventuellement le fait que vous soyez une grosse feignasse, mais on va partir du principe que vous n'en êtes pas, n'est-ce pas? Et pour moi, il y a plein de trucs en ce moment, et enfin, il y a plein de périodes comme ça dans l'année. Il y en a eu une en été, j'ai le sentiment qu'en été, on a tous eu un moment de down. Ça faisait longtemps, ça aussi. Bref, on a tous eu un moment de down. Là, je pense que, enfin, pour les Parisiens qui habitent dans ce lieu si merveilleux et si... si joyeux qu'est la région parisienne, on a quand même eu voilà une météo un peu de merde, on va pas se mentir, et forcément bah, ça donne pas trop envie de bosser. Enfin, je sais pas, moi je suis vachement sensible au temps, même si je sors quasiment pas de chez moi, assez ironiquement. Genre quand il fait pas beau ou il fait froid ou genre de truc, j'ai pas envie de bosser quoi. C'est j'ai envie de rester allongé et de rien faire, glandouiller, prendre du chocolat chaud, c'est tout ce que je veux, d'accord. Bref, dites-moi que je suis pas la seule quand même. Je vais m'arrêter de temps en temps pour vous lire, hein, parce que sinon je vais louper complètement le fil. Ah ouais, t'en as marre toi, Minette? Bah après, je comprends qu'il y a des gens qui en aient marre, hein, et qui aient besoin d'aller dans des coworking, etc. Même si franchement, je sais pas comment vous faites, moi je serais incapable de faire un truc pareil. Moi j'ai besoin d'être toute seule, c'est... voilà, qu'on me foute la paix, laissez-moi. Laissez-moi me concentrer. Donc enfin bref, oui, donc la fatigue, comme je disais, on est fatigué, le temps, même l'énergie, ou peut-être qu'on fait plein de trucs, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous faites plein de trucs, vous passez la journée dessus, et vous voyez pas ça avancer, c'est déprimant. Autre truc aussi, c'est la procrastination, hein, on est un peu là pour ça aussi, c'est, comment dire... Moi, je pense que la procrastination, c'est en grande partie lié déjà à ce que disait, je crois que, je sais plus qui disait ça, quelqu'un disait ça en tout cas, que on définit mal nos objectifs. C'est-à-dire que moi, les trucs que je procrastine le plus, typiquement, généralement, c'est des trucs vachement vagues que je me suis planifié et qui ont l'air chiants en plus de ça. Et du coup, c'est ce qui me fait souvent procrastiner. C'est des trucs, voilà, c'est chiant, ça prend du temps et en plus. Enfin, ça demande un effort, quoi. Procrastiner la vaisselle. Oh, Milédia, depuis que j'ai un lave-vaisselle, ma vie a changé. Je ne peux plus vivre sans lave-vaisselle. C'est terminé. Bon, enfin, bref. Tout ça pour vous dire que tous ces trucs-là, c'est pas cool. Et il y a un dernier type de flemme qui est pour moi le plus sournois, en fait, qui est le plus dur à déceler. Parce qu'on n'a pas l'impression vraiment que c'est toujours de la flemme. Et je classe plein de trucs là-dedans. Comme par exemple, moi je vois beaucoup de gens qui se trouvent des prétextes, le prenez pas mal s'il vous plaît, mais souvent quand je parle avec des gens et que je dis ouais mais pourquoi t'as pas fait ça en fait, ça fait depuis 2 mois que tu dois le faire, pourquoi tu passes pas à l'action en fait, et il y a toujours des excuses qui m'énervent, vous savez que moi j'ai tendance à m'énerver un peu sur ce genre de truc, faut que je me calme, mais tous les prétextes de ouais je suis pas assez douée, je suis... Oh là là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Des fois, je l'entends de personnes et je me dis, mais enfin, comment ces personnes-là peuvent ne pas avoir le temps quand à côté, on en avait parlé la semaine dernière, on voit des mères de famille qui ont genre 5 gosses, pardon, bref, 5 enfants, charmants, joyeux, mignons, poupons, bref, les gens qui ont 5 enfants, qui leur font l'école à la maison et qui arrivent quand même. Et j'ai eu des clientes comme ça, qui souvent s'impliquaient vachement plus dans leur formation, etc., que des gens qui étaient au chômage, célibataires, tout seuls chez eux. Donc le temps, c'est relatif. Je pense que c'est une excuse, le temps, pour certaines personnes. Et je le classe un petit peu dans tous ces prétextes qui font partie de ce que j'appelle la flemme sournoise. Et il y a un autre truc aussi, c'est le fait... de s'occuper avec du vide. S'occuper avec du vide, c'est quoi? C'est typiquement passer 500 heures sur Facebook. Par ailleurs, si vous arrivez à m'expliquer qu'est-ce qu'il y a de drôle à rester sur Facebook, moi je suis preneuse, parce qu'à chaque fois que je vais sur ce truc-là, je comprends rien de ce qui se passe. Enfin bref. Ce genre de truc, vous savez, on reste derrière le PC, alors oui, on reste des heures, etc., et je suis bien placée pour dire ça vu le nombre d'heures que je passe derrière mon PC. Et en fait, on est là et on n'a rien fait, on a juste, on a glandouillé sur des vidéos YouTube, on a fait le tour de tous nos réseaux sociaux, on a regardé plein de sites et on s'est retrouvé à regarder des sites super chelous sur lesquels on pensait jamais tomber de notre vie. Et ça, pour moi, c'est de la flemme sournoise, parce que pour moi, enfin... Moi, en tout cas, quand je me retrouve dans ce cas de figure-là où je me retrouve à glandouiller sur YouTube, c'est parce que j'ai la flemme. Et que je me dis, de toute façon, je suis là,
C'est pas aussi conscient que ça, hein. Je me dis pas en toute âme et conscience, ouais, trop bien, je vais faire semblant de travailler, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans cette mécanisme d'être en train de faire semblant de travailler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Salut Lionel, comment ça va? Tu ne crois pas à la flemme et la fainéantise? Ah oui? Comment tu l'expliques alors du coup? Ça m'intéresse. La flemme cache autre chose. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, il y a une raison sous-jacente. C'est ça? Trop d'informations d'un coup sur Facebook, je trouve. Vive Instagram. Mais honnêtement, même sur Instagram... Enfin, je sais que par réflexe, j'y vais, je regarde. Enfin, je regarde plus pour les messages et de temps en temps quelques stories. Je suis grave fan des stories de Jessie. Je sais pas si elle nous écoute dans l'ombre, mais j'adore les stories de Jessie. Bref. Et enfin... J'en étais où dans mon petit blabla là? Oui, donc, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, du coup? Le chemin de moindre résistance, on cherche la solution de facilité, c'est génétique. Merci. Tu viens de nous démolir là, on a plus de motivation. Peur de la critique et ce qui amène à la fainéantise. Ça rentre dedans. C'est pour ça que je vous ai pas non plus cité toutes les raisons, parce que enfin j'aurais pu faire un live rien que sur les raisons en réalité, parce que ça dépend de tout le monde, moi je pense. Hein. On a. Enfin. On n'a jamais la flemme pour la même chose finalement, il y a toujours des raisons. Pas envie de faire le truc parce qu'une fois fini, il y aura autre chose à faire la suite, alors que tant qu'on l'a pas fait, on sait qu'on doit faire ce truc là. C'est pas faux, en vrai en plus. Développer volonté et habitude. Grave. Mais bon, après ça, honnêtement, moi et l'autodiscipline, c'est compliqué. En fait, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas si je suis la seule. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît, parce que là, je me sens grave coupable. Aquabonisme caché souvent. Grave. J'adore cette expression. Grave. Mais il y a plein de trucs qui peuvent expliquer ça, de toute façon, et je pense que ça dépend de tout à chacun, en fait, finalement. Hein. C'est vos propres raisons. Là, je vous en cite quelques-unes, mais enfin, il y a quand même plusieurs types de flemme, d'après moi. Il y a la grosse flemme de feignasse, comme je vous disais, la flemme de « Ah, je vais le faire plus tard parce que ça me fait chier » ou « X, Y, Z ». La flemme de « Je suis fatiguée », donc qui est la seule flemme un peu légitime, j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut se reposer quand même. On peut pas être tout le temps à fond, et la fausse flemme. C'est... Voilà. Là, je m'égare un petit peu à la... Enfin, je m'égare un petit peu, mais du coup, je vous replace un petit peu le contexte de ce que j'avais envie de dire à la base, parce que sinon, voilà, ça n'aurait plus de sens. Salut Junko, comment ça va? Je manque de volonté pour les trucs inutiles, mais quand je dois faire quelque chose de vraiment important, je le fais. J'aimerais bien être comme toi, je t'assure. Ce serait magique. Moi, si j'ai pas envie de faire un truc, pour me le faire faire, c'est très compliqué. Hein. Je vous assure que... Même si je sais qu'il faut que je le fasse, ce genre de truc, si moi, au fond, j'ai pas envie de le faire, oh là là. Je vais le faire, mais je vais mal le faire. Bref. Donc, pour en revenir à cette histoire de voilà, s'occuper avec du vide, il y a quelque chose que je voudrais aborder un peu rapidement avec vous. Plus ou moins rapidement, on me connaît, mais... quelque chose qui s'ancre pour moi dans une de ces flemmes sournoises, dans cette idée, comme je vous disais, de remplir sa journée avec du vide, c'est le perfectionnisme. Big up à ceux d'entre vous qui se reconnaissent là, encore une fois. Puisque le perfectionnisme, on va pas se mentir, c'est quand même un vrai problème. Pour de bon, hein. Et merci Damon Pin. Maintenant tout le monde sait à quel point je suis une personne exceptionnelle et ouverte d'esprit et sensible à l'influence et à la vie des autres. Voilà. bref, ce que je disais... Attendez, faut que je boive du thé, là. N'hésitez pas à réagir, hein. Bon, cette fois-ci, il y aura sûrement une rediffusion, je pense, sauf si ce que je dis est trop chaotique, ce qui n'est pas impossible. Je m'en rends pas trop compte, mais... du coup, faites attention, ne dites pas de bêtises. Mais si vous voulez participer, vous pouvez, on est là pour ça. Et voilà. Donc, je disais, le perfectionnisme, c'est un vrai problème, pour des raisons assez évidentes. Et moi, je vois plein de gens... Pas fort, enfin ouais. Je vois plein de gens autour de moi, clients ou non, qui sont un peu concernés par ce souci-là. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage et c'est frustrant pour moi qui regarde ça d'un œil extérieur et qui a envie de dire aux gens « Mais bougez-vous le cul !» Donc voilà.
Ça vous rajoute du stress et de la pression d'être perfectionniste en plus. Parce que vous êtes toujours là en train de dire il faut que je fasse le meilleur et il faut que ce soit génial. Et si c'est pas génial, tout le monde va me tomber dessus et la vie va s'effondrer et quelle horreur et machin. C'est aussi surtout, enfin, le perfectionnisme, là où ça le pose le plus gros problème, c'est que vous perdez énormément de temps avec ça en fait. Vous perdez du temps sur des détails. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui posent souci à ce niveau-là, parce que vous êtes tout le temps on fire, n'est-ce pas? Sérieux, je sais plus ce que je disais quand j'avais... Enfin, je sais même plus ce que j'avais pensé quand j'ai mis ce truc-là, mais... belle transition. Et c'est quoi le suivant? Ouais, ok, ça y est, j'ai resitué le truc. Bref, moi je voulais vous donner quelques astuces pour arrêter d'être perfectionniste, parce qu'on en a aussi parlé la dernière fois, Milady est concernée... Plein de gens sont concernés. Je pourrais vous faire une liste longue comme mon bras, n'est-ce pas? Et du coup, je voulais vous donner des astuces pour combattre ça, parce que être perfectionniste, pour moi, c'est même pas forcément... Je pense qu'il y a un peu de flemme sournoise là-dedans. Parce que vous faites beaucoup de choses et vous gaspillez de l'énergie et beaucoup de temps dans un truc qui finalement prend pas beaucoup de temps. Donc quelle solution on a, en fait, pour arrêter d'être perfectionniste? Pour moi, la meilleure des solutions et ce qui marche le mieux chez moi, c'est de créer un max de contenu tout le temps, en fait. Genre tous les jours de faire plein de trucs et d'être, en fait, dans un espèce de flux tendu. Je sais pas si vous me suivez. Par exemple, quand j'avais fait une vidéo par jour, j'étais tellement à fond dans le truc et que je pouvais pas en fait avoir le temps d'être perfectionniste. Mon cerveau, il était tellement à deux doigts de faire pouf que je pouvais pas en fait. Et rien que le fait d'avoir fait ça pendant un mois, ça m'a aidé un peu à lâcher prise par rapport à tout ça et à accepter de sortir des trucs imparfaits. Parce que je vous assure qu'avant ça, c'était compliqué. Je me souviens, genre, je m'étais... Sans vous mentir, je mettais genre 3-4 jours, un truc comme ça, à rédiger un article parce que je revenais dessus plusieurs fois, parce que je le relisais plusieurs fois, parce que j'intégrais des trucs et des machins et tout. Et je perdais mais un temps monstrueux à faire ça, alors que depuis que j'ai arrêté de faire ça, personne s'en est rendu compte en fait. Sauf moi, mais personne s'en est rendu compte en fait. Donc, un temps limité mais raisonnable. Oui, 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 c'est vrai qu'on me dit souvent ça, ouais, loi de Parkinson, mais au-delà de la... ouais. Au-delà de la loi de Parkinson, je trouve que, enfin, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'être dans ce stress, vous voyez, genre de, si je suis en retard sur la vidéo aujourd'hui, celle de demain, elle sort pas, et si celle de demain, elle sort pas, j'accumule le retard et ça va pas. Et du coup, vu que tout le temps à fond, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Un autre truc aussi, j'adore cette image, excusez-moi, c'est de ne pas oublier que, en plus du perfectionnisme, on se trimballe tout un tas de trucs comme ça, genre syndrome de l'imposteur, peur de l'échec, peur de réussir aussi. Il y en a des tonnes, des trucs qui nous prennent la tête. Alors, en fait, pourquoi on se prendrait la tête aussi avec ça? Pourquoi on se prendrait la tête avec le fait de faire un taf qui est parfait, alors que de toute évidence c'est impossible, et de toute évidence c'est encore moins possible si vous êtes dans cette démarche de vous lancer, ou alors vous êtes encore au début et vous gagnez pas encore votre vie plus ou moins normalement. C'est pas le moment d'être perfectionniste, en fait. C'est peut-être le moment de se perfectionner, mais pas d'être perfectionniste. Donc voilà. J'ai eu un instant de vide. Pardon. Et le dernier conseil, le plus cucu de tous, fallait bien que je dise un truc cucu, sinon c'était pas un live de moi. Aimez-vous vous-même. Cette image aussi, elle m'éclate. Bref, aimez-vous vous-même, mais surtout, soyez gentils avec vous-même. Les gens sont tellement horribles avec eux-mêmes, c'est un truc de dingue, vous êtes trop méchants. Sérieux, vous êtes tout le temps là en train de vous dire que vous êtes les plus nuls, que vous êtes bons à rien, que vous n'allez pas y arriver, etc. Et forcément, quand vous pensez comme ça et que vous rajoutez à ça en plus à côté le fait d'être perfectionniste, c'est un peu compliqué, je pense. Donc... désolé, ça avait bloqué un message. Donc voilà, épargnez-vous des prises de tête inutiles, on en a assez comme ça, et ne vous mettez pas, enfin ne mettez pas la barre trop haut, j'ai envie de dire, mais ça fait genre ouais, soyez médiocre, c'est génial, mais c'est pas ça, hein. C'est essayez de faire de votre mieux, et faire de votre mieux déjà c'est génial en fait, et vous aurez tout le temps d'être parfait après, mais pour l'instant c'est pas la priorité. Le perfectionnisme me fait rire car les perfectionnistes font de la merde de toute façon. S'ils prennent 3 ans à sortir un truc, ils s'en rendent même pas compte. Autant sortir une merde par jour. Je suis grave d'accord. Franchement, James, tu devrais venir plus souvent. Enfin bref. Il a pas tort dans le fond, je vous assure. Hein. Même si c'est enrobé sous une couche de James. Dans le fond. Dans le fond.
La peur de la critique selon Napoléon Hill. Ah, j'arrive pas à prononcer les mots. Qui empêche un entrepreneur d'exceller. La peur de la critique. S'il y avait que la peur de la critique encore, mais c'est ce que je vous dis, il y a tellement de trucs si vous voulez être... Si vous voulez arrêter d'avoir la flemme, déjà il faut avoir de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut être de bonne humeur. Enfin, moi c'est comme ça que je fonctionne. Moi, si je suis pas de bonne humeur, je suis pas en forme. Hein. Donc, essayez d'être de bonne humeur et commencez par être gentil avec vous-même. Et d'arrêter de vous dire, ah mais cet article-là, je l'ai écrit, il est nul. Cette vidéo-là, je l'ai tournée, j'ai une sale tête. Enfin, oui, vous avez une sale tête, mais personne va s'en rendre compte. Donc qu'est-ce qu'on s'en tape, hein? Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'avais besoin de vous faire quand même ce petit aparté sur le perfectionnisme. Je me trompe à chaque fois, je dis perfectionniste au lieu de perfectionnisme. Il fallait que je vous le fasse parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés là-dessus et que si on veut passer à l'action, voilà, il faut passer au-delà du perfectionnisme aussi. Mais les perfectionnistes ont quand même... Si, c'était ça. Les perfectionnistes ont quand même un avantage qu'on n'a pas, c'est que finalement, quelque part, ils sont un peu dans l'action, même si c'est dans l'action lente et peut-être pas forcément la meilleure des actions. Mais du coup, on va passer au vif du sujet, les amis. Comment se motiver à passer à l'action pour de vrai ? Cette fois-ci, c'est important de préciser le pour de vrai. C'était pas du tout pour que le titre soit moins triste tout seul comme ça au milieu de nulle part. Donc ce que je vais vous donner là dans ce live, c'est pas la réponse à la question ultime sur la vie, etc. C'est ce qui marche sur moi. J'ai peut-être... C'est pas ça, moi je passe de très très bonnes journées, hein. Moi je suis pas trop en stress. Bon, à part la semaine dernière, je vous avoue, j'étais dans un mood où voilà, j'étais à fond, mais je suis tranquille les trois quarts du temps, et j'arrive quand même à faire des trucs, et du coup je me suis dit que bah, mes astuces à moi sont certes pas des astuces universelles qui fonctionnent à tout le monde, mais comme on me pose souvent la question, peut-être que ça pourrait vous intéresser, et peut-être que ça pourrait vous aider vous aussi justement, parce qu'il y a tous, enfin on a tous des jours où on a la flemme, hein, moi la première, et j'arrive très bien à le gérer, je vis très bien avec ma flemme, je suis feignasse heureuse et fière de l'être, mais j'arrive à être au taquet quand il y a besoin, et j'arrive à garder le rythme, tout en procrastinant quand même de temps en temps, à pas se mentir, mais bref, j'arrive à gérer le truc, donc je me suis dit que j'allais vous donner mes astuces à moi, et encore une fois je vous dis que c'est mes astuces à moi, il n'y a pas de méthode top secrète ou que sais-je, de machin, là c'est vraiment juste une expérience, enfin une expérience personnelle que je vous partage, donc j'espère que ça va vous intéresser et que ça va vous parler. C'est quoi une FHFE? What the fuck? 42, hein? What the fuck? Je ne suis pas contre le perfectionnisme et à s'autoriser à publier des merdes régulièrement. Oh là là, James. Bref, donc, là plus que de se poser la question pourquoi on ne passe pas à l'action, je voudrais que on parte sur... Enfin, plutôt que pourquoi on a la flemme, je voudrais qu'on parte sur pourquoi on ne passe pas à l'action. Voilà. Feignasse heureuse et fière de l'être. Ouais, c'est vrai que ça sonnait mieux en FHFE, ça faisait vachement plus scientifique là sur le coup. Donc. C'est dur de parler tout le temps comme ça, hein. Dites-moi qu'après je pourrais faire une pause. Il reste quelques petites feuilles au PowerPoint, voilà. Il est beau mon PowerPoint. Bon, je vous avoue, je vous ai un peu menti sur les Illuminati. Enfin, sur les Illuminati, non. Sur les animations, parce que j'ai eu un peu la flemme. Mais j'ai déjà fait un effort, alors s'il vous plaît. Pourquoi ça me... Ah, vous dites des gros mots, alors ça les bloque. Grave, c'est super joli ce que tu fais pour Linktober, Milédia, j'adore. Donc, pourquoi on ne passe pas à l'action? Moi, j'ai identifié quelques soucis un peu récurrents chez les gens qui n'y arrivent pas, justement, à passer à l'action. Et du coup, peut-être que vous êtes concernés, parce qu'il y a plein de gens chez qui je retrouve ces trucs-là. Donc... Premier truc pour lequel vous ne passez pas à l'action, première explication, source du problème d'après moi, vous êtes mal organisé. Désolée. Je sais que tout le monde, quand on dit ça, tout le monde dit « Mais non, mais tu rigoles, moi je suis super bien organisée. » Non. Non, personne n'est super bien organisé, sauf peut-être Damon Pin, et encore. Je suis sûre qu'il y a des jours chaotiques. Mais personne n'est super bien organisé. Et il y en a qui sont moins bien organisés que d'autres, d'accord? C'est-à-dire que, enfin, il y a des gens... qui sont dans ce qu'ils appellent un bordel organisé, qui n'est pas vraiment un bordel organisé, d'après moi, et il y a plein de trucs là-dedans qui vont pas. Donc moi là j'ai changé quelques trucs,
Et justement, bah, je voulais partager ça avec vous. Donc c'est quoi la solution si jamais vous êtes mal organisé? En tout cas, qu'est-ce que je vous recommande si jamais vous pensez que bah, quand même il y a moyen d'être plus efficace, de mieux gérer votre temps, etc. Et d'avoir la flemme au bon moment, quoi. Parce que c'est possible d'avoir la flemme au bon moment, je vous jure, hein. Et j'adore ça. Bref, je l'arrête. Organisation, précision, laser. En fait, Damon Pin n'est pas un être humain, en fait. Damon Pin est un robot. Les insultes sont plus drôles, je trouve. Oui, elle est douche. Donc, déjà, le premier truc qui aide, c'est de tout organiser au même endroit, en fait. Il y avait un truc que moi, je faisais, et que je vais sûrement continuer à faire, parce que c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que moi, j'adore avoir 50 milliards de carnets. Vous-même, vous savez, n'est-ce pas? Avoir 50 planeurs et tout, c'est ma passion dans la vie, ce genre de truc. Ça, plus les applications de gestion de notes et de machin, genre, je peux passer des heures sur ces trucs-là. Et... Le problème, c'est que quand vous utilisez Trello, puis qu'à côté vous utilisez autre chose, puis qu'en plus vous avez votre agenda papier, puis ensuite vous avez 50 carnets, un carnet par formation ou que sais-je, franchement, comment vous voulez vous en sortir là-dessus? Moi là, depuis la semaine dernière, et j'ai tenu, je sais pas à combien de temps on en est en live, parce que du coup je vois pas mon écran, mais... Mais depuis la semaine dernière, genre j'ai découvert un super outil de gestion de notes trop génial de la mort qui tue qui s'appelle Notion, avec lequel je harcèle tout le monde parce que je trouve ce truc génial. Milady l'a d'ailleurs adopté, Nadu je crois que t'as testé aussi, bref, j'ai fait chier tout le monde avec ça parce que je trouve ce truc révolutionnaire et formidable. Et le gros point fort de ce truc là, c'est que j'ai tout au même endroit en fait. Et quoi d'autre? Oui, j'ai tout au même endroit, en fait toutes mes notes sont exactement au même endroit et du coup j'ai pas à chercher et vous rendez pas compte du temps, enfin même moi je m'en rendais pas compte en fait avant de faire ce truc là bien organisé etc, du temps que je perdais sans arrêt à aller chercher l'info à gauche, à droite sur le papier que j'avais écrit, sur le carnet sur lequel j'avais écrit ça à l'arrache etc, juste parce que bah je mettais tout un peu dans tous les sens quoi, donc merci Milédia. Moi aussi je suis fière. Bref, tout ça pour vous dire que bah voilà, c'est une solution qui peut être intéressante de considérer ça, surtout si comme moi vous êtes un peu éparpillé. Est-ce que vous êtes un peu éparpillé ou est-ce qu'il y a que moi qui étais comme ça? Et les autocollants papillon grave, les stickers, donnez-moi des stickers, j'en ai besoin. Milady, elle a préparé tous les petits, elle est grave mignonne. Oui, Rash, c'est mieux qu'Evernote. Evernote est moche, je suis désolée. N'ayons pas peur d'utiliser les mots. Evernote est moche. Les seules jolies, entre guillemets, applications de gestion de notes que j'avais trouvées, c'était des applications pour Apple. Sauf que moi, je suis sous Windows, donc en fait, enfin, j'ai mon iPhone, mais si je peux l'utiliser que sur mon iPhone, moi, ça me va pas, j'ai besoin de le faire sur le PC. Et ce truc-là est non seulement gratuit, mais en plus, il est hyper puissant de ouf. Enfin bref, je vous prépare de toute façon une formation sûrement là-dessus. Parce que niveau organisation, moi, ça m'a fait gagner du temps de dingue, et je trouve cet outil génial. Donc voilà, je vous prépare ça pour le mois prochain. Bah moi tu vois genre Lionel, Google Keep j'ai pas trop, enfin je trouve que, enfin de toute façon il y a moins d'options que sur Notion et enfin moi j'ai vraiment besoin que l'interface me plaise en fait, c'est super neuneux hein, mais enfin si j'aime pas utiliser le truc, c'est le problème que j'ai avec Evernote. Evernote je trouve ça hyper moche en fait, j'aime pas, c'est pas beau, du coup forcément j'ai pas envie de l'utiliser, alors que là vu que Notion c'est joli, on peut personnaliser avec des icônes et des machins et tout, moi je suis grave contente, moi je suis contente le matin quand je vous montre et que je fais waouh c'est tout beau, bref. Je suis vraiment contente pour rien, hein, je vous jure. Enfin bref. Un autre truc pour vous aider aussi au niveau de l'organisation, c'est de trier vos actions. C'est peut-être très bateau ce que je dis, mais de trier vos actions par votre mood, par votre énergie. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, je sais que le matin, je suis plus efficace à faire certains trucs que l'après-midi et vice-versa, en fait. Par exemple, le matin, je sais que bah, je crie plus rapidement parce que j'ai la tête dans le cul. Que voilà, je fais facilement des PDF, que le montage, vu que j'ai la tête dans le pâté, ça passe. Enfin, ce genre de truc, je sais que c'est mieux que je le fasse le matin parce que c'est là où je serai dans ma meilleure énergie pour le faire, en fait, sans faire trop d'efforts derrière. Et l'après-midi, je sais que je suis plus en forme pour tourner des vidéos, pour appeler des clients, pour... Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, ça dépend de chacun. Hein. Moi, là, je vous donne mes exemples à moi, mais vous avez sûrement des petites actions comme ça où vous vous dites, ok, ça, si par exemple vous travaillez, ça c'est le genre de truc, j'ai la force de le faire après travailler, ça me dérange pas, je le fais presque machinalement en fait. Par exemple, j'adore Milady, elle est trop mignonne.
C'est quoi qui est mieux? Bah, t'as plein d'autres options que Evernote. Tu peux rajouter des tableaux dedans, des tableaux qui calculent les cases, etc. Je suis en train de faire ma compta dessus, c'est un miracle ce truc dans ma vie. Bref, t'as vraiment beaucoup de trucs. Tu peux intégrer Trello d'ailleurs dedans. Et justement, c'était ce que j'allais vous dire juste après. Si jamais vous ne savez pas du tout par où commencer, j'ai oublié de te donner ce lien-là, mais les douches, c'est wonderwellqueen.fr/organisation. Je vous avais fait un kit il y a un moment déjà avec comment s'organiser avec la méthode GTD sur Trello. Et je pense que c'est un super bon point de départ ce truc-là parce que systématiquement, à chaque fois que je me suis sentie envahie de problèmes et de trucs à faire, le fait de faire ce tableau Trello-là, ça me soulage vachement et j'ai l'impression d'avoir moins de soucis. Ah, toi aussi, Didyspy, t'es comme moi! Tu déchires mille douches. Donc voilà. Hein. Pour vous récapituler un petit peu, et là, encore une fois, c'est très personnel que je vous explique un petit peu comment moi je fonctionne maintenant et je pense avoir trouvé le truc quasi optimal. Comme je vous disais, pour moi, le seul truc qui me manque, c'est un énorme tableau là, avec un calendrier, comme ça je peux voir direct ce que j'ai à faire. Donc ça va, il m'a déjà manqué plus de trucs. Bref, donc comment je m'organise? Moi je mets tout sur Notion, comme je vous disais. Donc toutes mes listes de choses à faire, tous mes trucs de référence aussi, les modèles de formation, des trucs comme ça. Tout ce dont j'ai besoin en termes de notes d'idées et de to do, c'est sur Notion. Au niveau de l'agenda, donc des rendez-vous, des trucs comme ça, je passe par Google Calendar. Parce que c'est rattaché à Calendly, qui est mon logiciel pour la prise de rendez-vous en coaching, et que bah, c'est joli, Google Calendar, au moins un truc joli. Donc voilà. Et ça se met super bien à jour, ça se partage hyper facilement les Google Agenda, et j'adore. Et cet agenda-là, c'est vraiment mon agenda principal. Après, on a le sacro-saint Happy Planner, n'est-ce pas? J'ai grave envie de le sortir pour vous le montrer en disant vous avez vu comme il est beau, mais je vais me calmer. Donc le sacro-saint Happy Planner qui lui m'aide à organiser mes journées parce que comme je vous l'explique et comme je vous l'ai montré à plusieurs reprises, c'est des vues par semaine donc ça me permet de savoir sur la semaine, ok lundi matin faut que je fasse ça, vendredi après-midi faut que je fasse ça, mercredi midi, gna gna, enfin vous voyez un peu l'idée. Et en plus de ça j'ai un petit carnet de brouillon que là je vais peut-être vous montrer parce que je sais plus où je l'ai mis, il est là. Si. Donc, vous savez ce fameux carnet où je note plein de trucs un peu à l'arrache, et un peu à l'arrache c'est vite dit mais... Où j'écris des trucs très très mal dedans en griffonnant comme une grosse tarée, bah ça c'est ce qui m'aide à prendre des notes un petit peu à l'arrache et ces notes-là je les transfère du coup maintenant sur Notion quand c'est des vraies notes importantes et que c'est pas juste des gribouillis. Donc voilà. Tu cherches un nouveau Happy Planner, Laurie? Ah, trop cool, Milédiouche! C'est trop bien! Bon, je sais plus ce que j'avais mis. Oh my god, un petit chat choqué! Ah là là, une petite spirale, pourquoi j'ai mis ça? Je l'ai fait il y a 2 heures, ce PowerPoint. J'ai oublié tout ce que j'ai mis dedans, c'est dramatique. Dramatique. Enfin bref, est-ce que tout ça vous a aidé au niveau de l'organisation et est-ce que vous pensez que vous êtes mal organisé ou est-ce que vous pensez que ça va? Petite display de me faire rire. Deuxième truc qui vous empêche de passer à l'action, bah vous ne savez pas trop par quoi commencer. Je crois que c'est Christelle qui disait ça tout à l'heure. Vous avez tellement de trucs et il y a tellement de gens qui parlent sur internet, tristement, que on s'y perd au milieu de tout ça. Hein. Moi, là, je pense surtout, enfin, à une catégorie de personnes qui est le genre de personnes qui achètent beaucoup, 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 beaucoup de formations et qui n'appliquent rien dans ces formations-là. Je sais pas si vous me suivez et si vous vous sentez concerné. Mais je vois, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, une tendance à acheter plein de trucs et finalement à rien appliquer. Et ces gens-là, enfin, si vous vous sentez concerné, je ne vais pas vous faire flipper, mais essayez de faire peut-être éventuellement le petit bilan de combien ça vous a coûté sur une année, parce que je pense que ça doit piquer en vrai. Hein. Donc, Bah si, moi je t'ai tout dit, rage sur mon système. Je vois pas trop quoi rajouter d'autre. Quand tu as des idées, des trucs à faire, tu les mets sur Notion, enfin, si tu utilises mon système à moi, pour tes rendez-vous, les trucs qui sont prévus, etc., tu passes sur Google Agenda. Et pour organiser des journées, Happy Planner, quoi. Sérieux, t'as fait ça, Damon Pin? C'est la journée, elle n'a pas assez d'heures. Oui, mais est-ce que... Oui, Emmanuel, je crois que toi, tu me disais que justement, t'as des enfants et tu leur fais l'école à la maison, c'est ça? Montessori, tout ça, non? J'ai dit des bêtises, peut-être que je confonds. Elle est trop choumi, les douches.
Donc voilà, on est perdu, on est noyé dans toutes ces idées, enfin dans tous ces trucs, voilà. Machin, il dit qu'il faut faire du dropshipping, et puis truc muche, il dit qu'il faut être sur Instagram, et puis machin truc, il dit qu'il faut... On sait pas quoi faire parce qu'il y a tellement de trucs à faire, en fait, finalement, que bah, par quoi on commence, c'est ça le truc. C'est... Et encore une fois, on est dans cette idée de mince, on n'a pas bien défini en fait ce qu'il y avait à faire, et du coup on sait pas par où commencer, par quel bout... Par quel bout attaquer, en fait, tout simplement. C'est triste à dire, mais c'est ça. Et du coup, on est un peu... on est un peu dans l'inaction. pire transition du monde. J'y arrive pas, hein, je vous jure. Moi, là, il y a un truc qui m'aide. C'est vraiment un conseil un peu... Presque bateau, mais je vous assure que... Enfin, ça a l'air d'un conseil presque bateau, mais en vrai, ça m'aide tellement, ce genre de truc. C'est que, généralement... C'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Et enfin, dans ma logique, en fait, si les 5 premières minutes, enfin, même 5 minutes, je trouve ça long, les 2 premières minutes sont les plus chiantes, en fait. C'est comme quand vous êtes allongé dans le canapé et qu'il faut se lever. Vous sentez le vécu ou pas, la douleur dans ma voix quand j'en parle. Bref, vous êtes tranquillement allongé dans le canapé avec votre plaid, les 5 chats et tout. Bah, faut se lever parce que, je sais pas, il y a le truc, votre télé va s'éteindre automatiquement dans 5 minutes. Et bah, dans ce genre de moment, j'arrive à me dire, ouais, vas-y, tu vas souffrir les 2 premières secondes et après tu te diras, oh, ouais, tranquille, vite fait. Et moi, ça m'aide, en tout cas, de me dire ça, de me dire c'est toujours le premier pas qui est le plus dur et qu'on souffre toujours que les 5 premières minutes. Et qu'en vrai, il faut juste prendre un truc parmi toutes ces options que vous avez et commencer par là. Bon, après, là, je réduis évidemment le truc, ça dépend de ce que vous avez à faire, mais c'est vrai qu'on. Je comprends qu'on puisse se sentir complètement perdu là-dedans parce que c'est un retour que je retrouve souvent. C'est-à-dire que, en plus, si vous suivez plusieurs personnes qui parlent d'entrepreneuriat, etc., vous avez dû remarquer que même s'il y a des idées communes, quasiment personne dit la même chose, en fait. Donc c'est compliqué, n'est-ce pas ? L'application des outils ? Là tout de suite, c'est vrai que ça me ferait un peu sortir du cadre rash, mais comme disait Milédia, dans mon kit d'organisation, je t'explique tout justement sur comment je vide sur GTD. Là, il y a juste le truc qui a changé ces derniers temps, c'était Notion. Donc, mais comme je disais, Notion, je vous prépare une formation dessus pour le mois prochain, donc tu auras toutes les informations. Mais le kit d'organisation est gratuit, soit dit au passage. Bref, à tout ça, moi j'ai une solution aussi à vous proposer. Et cette solution, c'est un truc qui va vous empêcher de hurler à la mort en pleurant et en vous roulant en boule devant votre ordinateur parce que vous savez pas quoi faire. C'est les Royals. Mais je vais pas vous faire chier tout de suite avec ça. On en parlera un petit peu juste après. C'est une solution qui... Enfin, en tout cas, moi j'ai créé ça comme une solution à ce problème-là parce que je me rends bien compte que c'est un problème récurrent et que beaucoup de personnes justement ont du mal à passer à l'action à cause de ça, et c'est quand même dommage parce que moi je vois des gens qui ont de belles capacités et qui n'en font rien, donc je trouve ça triste. Voilà, donc voilà. Bref, on passe à la suite, donc j'en étais où ? Pourquoi on ne passe pas à l'action ? Une autre raison, oui, pour laquelle on ne passe pas à l'action, et celle-ci, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le perfectionnisme, c'est le fait, tout simplement, hein, de prioriser les mauvaises actions. C'est-à-dire que vous perdez un temps fou à faire des trucs qui servent à rien. En fait, vous faites le 80-20, mais pas dans le bon sens, quoi. C'est vraiment ça, en plus. Moi, je le vois trop comme ça. Vous faites le 80-20, mais pas dans le bon sens. Genre, vous passez 80% de votre temps à faire des trucs qui vous rapportent même pas 20% de vos résultats, et c'est dommage. Et comme je vous disais, ça rejoint le perfectionnisme, mais ça rejoint aussi les actions que vous choisissez de mettre en place pour votre business. Par exemple, les gens qui viennent de se lancer sur... qui viennent de lancer leur blog, et qui sont déjà dans la logique, je vais faire 5 tunnels de vente avec 350 bifurcations, ça va être génial, les gens ils vont adorer, ce genre de truc. Alors que c'est pas ça la priorité. Il y a d'autres trucs qui passent avant, et il y a d'autres trucs qui peuvent vous rapporter beaucoup plus de résultats que de faire ça, en fait, finalement, parce qu'un tunnel de vente en 547 étapes, à titre personnel, je pense pas que ce soit très utile quand on n'a pas non plus une grosse audience, quoi. Et voilà. Un autre exemple aussi, que je vois de plus en plus en ce moment, d'ailleurs, dites-moi si vous êtes concerné par ça, parce que j'ai l'impression que tout le monde parle là-dedans en ce moment, c'est les gens qui postent, mais que sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens ne postent pas d'articles, ils postent pas de vidéos, ils font pas de podcasts, ils font rien, ils font juste des posts Instagram. Et,
Je veux pas être mauvaise langue, hein. Je trouve que Instagram c'est sympa comme plateforme, etc. Mais entre un article de blog et une publication sur Instagram, à votre avis, qu'est-ce qui aura le plus de visibilité pendant plus de temps? Si tant est que l'article est optimisé SEO, j'entends. Hein. Dites-moi, parce que j'ai un peu du mal à savoir. Il y a une solution un petit peu alternative pour ceux d'entre vous qui sont pas trop branchés SEO, etc. et que je trouve très intéressante, et qui, contrairement à ce qu'on a tendance à dire, n'est pas forcément un réseau social, c'est YouTube. À titre personnel, moi je trouve que YouTube, c'est, enfin, pour moi la manière la plus rapide et la plus facile de créer du contenu quasiment, c'est YouTube en fait, parce que vous essayez, vous parlez pendant 30 minutes et voilà quoi, ça vous fait 3 vidéos. Et enfin, par rapport à un article, je sais pas si c'est comme ça pour vous aussi. Moi personnellement, un article ça me prend beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps et je trouve ça beaucoup plus chiant à faire qu'une vidéo. Est-ce qu'il y a que moi à qui ça arrive ce genre de truc? Parce que le gros problème que j'ai avec les articles, c'est que ça me prend un temps monstrueux, je trouve, et que ça me demande une énergie que j'ai pas envie de mettre parfois. Et par contre, YouTube, c'est plus simple, parce que enfin, là où je souffre, entre guillemets, le temps de souffrance est moins élevé sur YouTube que pendant que je rédige un article, parce que là où je vais souffrir, entre guillemets, faire l'effort maximal, c'est au moment où je vais tourner, parce que si je tourne et que je parle tout lentement, en étant fatiguée et machin, et voilà, c'est chiant. Mais quand j'écris un article, il faut que je sois à fond dessus pendant 4 heures. Et le montage, en général, comme je vous disais, je peux faire ça à la tête dans le pâté le matin. Donc voilà. Pour moi, enfin, si vous cherchez vraiment le bon équilibre entre un truc qui vous permet justement de poster des contenus sur le long terme qui vont pas être oubliés par les algorithmes demain, c'est YouTube, parce que le SEO YouTube aussi est très peu concurrentiel. Vous pouvez vous classer sur des mots-clés sur YouTube, parce que YouTube est un moteur de recherche. Mais pas Instagram. C'est-à-dire que Instagram, votre post, il va être là pendant un jour, deux, si vous avez de la chance, et après, plus personne va le découvrir, à part des bots qui vont venir vous le liker alors que vous savez pas d'où ils sortent. Donc voilà. Voilà. Je pose des questions, vous me répondez même pas. Je sais plus quelle question j'avais posée. Oui, vous êtes plus article ou vidéo, du coup. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais ça vous intéresse, justement, j'ai lancé une formation sur YouTube pour vous aider à lancer votre business. Enfin, lancer votre business, attirer du trafic depuis YouTube et justement à créer du contenu comme ça sur YouTube et peut-être que justement vous serez dans le bon rapport 80-20. Moi j'ai trouvé une solution sinon à part ça, enfin si Milédiouf tu peux mettre le lien, je sais plus si je te l'ai demandé ou pas. Bref, ce que je voulais vous dire c'est que moi comment j'ai trouvé une solution à ce truc là, c'est que maintenant quand j'ai un truc à faire, je me pose cette question-là, si j'ai grave la flemme en plus, si je procrastine et patati et patata, je me dis, soit c'est super rapide à faire et je le fais, soit je trouve ça super fun et je le fais. Et quand je suis entre deux, voilà, en général c'est un peu plus compliqué, et rien que le fait de me dire ça, moi ça m'a aidé à enlever pas mal de trucs. C'est-à-dire que les trucs qui prennent trop de temps maintenant, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient moins longs ou alors de pas les faire complètement, et les trucs qui m'amusent pas, bah... Comme je vous disais, c'est très compliqué de me faire faire un truc alors que j'ai pas envie de le faire. Tu sais pas encore, Rach? T'as pas encore essayé? Grave! Grave, en plus, je suis sûre que James, tu serais capable d'automatiser ça, hein, en vrai. En vrai. Enfin bref, du coup, voilà ma solution, si vous voulez, pour voilà, prioriser les bonnes actions. C'est cette question-là que je me pose les trois quarts du temps. Et pour les trucs qui sont voilà, pas forcément ni fun ni rapide, mais qui sont obligatoires, j'ai quand même des astuces, parce qu'on peut pas être tout le temps intéressé et motivé partout, hein, malheureusement. Genre, moi, la compta, voilà, c'est une grande histoire. donc voilà, je voulais quand même vous donner des petites astuces pour ces trucs un peu chiants, hein, pas avoir peur de le dire, qui sont vraiment pénibles à faire, comme la compta, les articles, ce genre de trucs qui me fatiguent. Déjà, un truc, c'est ce que j'appelle mon joker, ma journée de joker. C'est, en fait, si vous voulez, moi je me dis, enfin je sais qu'il y a des matins, des fois on se réveille et on n'a pas envie de travailler, et même si la veille on s'est programmé toute une journée de A à Z où fallait être à fond pendant 10 heures, on n'a pas envie en fait, et du coup, bah moi j'aime pas cette idée de me forcer en fait à travailler parce que ça me saoule, parce que je préfère être à fond dedans, et c'est une journée off effectivement Mélidia, mais c'est pas que une journée off, c'est une journée off quand tu veux, c'est-à-dire que moi je m'autorise à me dire voilà... Bah aujourd'hui, j'ai la flemme. N'ayons pas peur d'employer les termes.
Même si j'avais prévu plein de trucs, bah je fais rien parce que j'ai pas envie. Et je ferai demain et c'est pas grave. Et je programme plus ou moins une journée comme ça dans la semaine. Disons que sur les trucs que je me dis, ok, cette semaine, je veux que ça se soit fait, je me dis, ok, j'ai le droit à 2 jours joker. Et pendant ces 2 jours de joker, si je veux pas travailler, bah je travaille pas. Et ce qui est ironique, c'est que depuis que j'ai mis ça en place, alors les premières fois, bien sûr, je les utilisais à mort, mes jokers. Et maintenant, enfin, j'en ai de moins en moins besoin parce que bah, rien que l'idée de me dire bah, si j'ai pas envie, je le fais pas et c'est pas grave, ça m'aide beaucoup en fait. Trop mignonne, Miladouche. Donc, cette journée de joker, comme je vous disais, j'en parle aussi dans le kit d'organisation que Miladia vous a mis un petit peu plus haut. C'est un truc qui me rassure énormément, qui m'aide et qui me permet de me dire trop cool, si jamais aujourd'hui j'ai envie de jouer toute la journée, je peux, c'est trop bien et je pourrais aussi tout faire et c'est ok, personne me fera chier. Voilà, voilà ce que je me dis pendant cette journée de joker. Et une astuce aussi qui peut vous aider, et ça c'est surtout au niveau de la concentration, et ça c'est un gros problème que j'ai, c'est que moi j'arrive pas à faire une seule chose à la fois en fait. J'ai trop besoin de faire plein de trucs en même temps, et j'arrive pas à rester concentrée sur un truc. Et j'accepte complètement d'être comme ça, moi je préfère voilà, faire 10 trucs en même temps et m'amuser, plutôt que encore une fois être dans l'effort, la force, le machin, etc. Je veux pas moi. Moi je veux que ce soit facile, pépouze. Je veux que ça soit tranquille, pépouze. Attendez, j'ai envie de... Le boire un petit coup là. Donc, je disais, j'ai envie que ce soit tranquille, pépouze. Et du coup, enfin, quand j'ai des trucs comme ça, genre par exemple, voilà, il faut que je fasse la déclaration de chiffre d'affaires, de machin, etc. Une technique qui fonctionne super bien chez moi, peut-être que ça fonctionnera bien chez vous et vous devez sûrement la connaître, puisque c'est une technique qui vous empêche de vous faire chier grossièrement quand vous avez un truc chiant à faire et de voilà, prendre vraiment le minimum de temps pour faire ce truc là et le faire bien et vite fait et bien fait. Et cette technique, avez-vous deviné de quoi je parle? le vieil indice de merde, bref. C'est ce qu'on appelle la technique de la pomodoro. Je pense que vous devez connaître quand même. J'en ai déjà parlé de ce truc-là, je crois. Bref, ce truc-là, il m'a sauvé la vie quand j'étais en train d'écrire des articles sur les paris sportifs à James. James, tu sais tout maintenant. C'est-à-dire que au bout du 20e texte sur Pierre Calvetti, mon cerveau était en train de péter un câble, je vous assure. Du coup, ce que je faisais, c'est que je me disais, ok, bon, alors là, il faut que j'écrive un article. Je sais que si je me mets à fond dedans pour cet article-là, avec le nombre de mots, etc., j'en ai pour 2 fois 30 minutes, en fait. Du coup, ce que je faisais, c'était que je mettais des timers de 30 minutes et je me disais, ok, je reste concentrée à fond pendant les 30 minutes et après les 30 minutes, enfin 20, 25, enfin ça dépend du minimum, on va dire, que vous pouvez rester concentrée. Mais le fait de vous dire, voilà, il faut que je reste concentrée, mais j'en ai pour 20, 30 minutes, pas plus, ça vous permet de vous dire, ok, je peux rester concentrée et je me laisse distraire par rien. Mais quand je vous dis par rien, c'est par rien en fait. C'est genre, si vous recevez un message, vous regardez même pas, ou alors vous faites rien à côté, ce qui est très compliqué, je vous assure. Moi j'ai trop besoin de faire un truc à côté. Enfin bref, ce truc-là, pour les trucs qui sont un peu plus lourds, un peu plus compliqués à faire et sur lesquels vous voulez vous débarrasser vite fait, bien fait, je pense que la Pomodoro, ça peut être assez bien. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai dit? Parce que j'ai l'impression d'avoir baragouiné n'importe quoi pendant 20 minutes. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit sur la Pomodoro? Est-ce que vous savez ce que c'est la Pomodoro? Parce que du coup, Miladia, tu dis non, mais par rapport à ce que j'ai expliqué, est-ce que c'est assez clair ou est-ce que tu veux que je reformule? Tell me. Ruito moteur. Ah, c'est trop cool ça! Je connaissais pas du tout Rache. C'est une appli gratuite ou c'est une appli payante? Dis-moi donc. Bon, c'est cool, Miladiouche a compris. Je vais donc continuer. Donc ça, c'est une technique qui peut fonctionner. Ça fonctionne peut-être pas avec tout le monde, hein, j'en sais rien. Moi, je sais que je pourrais pas faire ça toute la journée et tous les jours parce que ça me ferait péter un câble. Mais pour les trucs très très chiants, je vous assure que c'est pas mal. Et une autre technique, encore issue d'un livre de développement personnel QQ, je suis particulièrement fière de cette photo, c'est la technique avaler le crapaud, en gros faire ce qui est le plus relou directement. Et Damon Pinch, je sais pas s'il est toujours là, avait un concept super intéressant là-dessus, c'est que moi j'y avais pas pensé, et du coup il m'y avait pensé, donc je trouvais ça cool, c'est le concept de journée poubelle. On passe de la journée de joker à la journée poubelle, j'adore. Belle semaine!
Et en gros, c'est... en fait, ah, je vais y arriver. En gros, le concept de la journée poubelle, c'est... vous avez une journée où vous faites tous les trucs chiants, et ok, vous dites, bon, cette journée, elle est pourrie, elle est foutue. Et ensuite, pour le reste, vous êtes un peu plus pépouze et tranquille. Et je trouve aussi que c'est une bonne approche, et ça rejoint un petit peu cette idée de avaler le crapaud, de faire vraiment en premier ce qui vous fait le plus suer et ce que vous voulez le plus... dont vous voulez le plus vous débarrasser. Et il y a un autre truc aussi que je raccroche à ce truc-là, c'est la règle des 2 minutes de David Allen, qui est une règle simple comme bonjour, mais qui, allez savoir pourquoi, m'a bien aidée. C'est l'idée que quand vous avez un truc à faire qui prend moins de 2 minutes, il faut le faire tout de suite en fait. Il faut pas attendre, voilà, plus tard, peut-être demain, etc. Ça prend 2 minutes. Donc faisons-le. Ce qui est fait n'est plus à faire, et voilà, terminé. Et ça, mine de rien, les amis, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Du coup, voilà. Avaler le crapaud et bon appétit, bien sûr. Généralement, le lundi, compta, impôt, paiement affilié, truc bien relou, je te jure. Je te jure. Elle saoule tout le monde avec Notion. Et c'est trop bien! Avouez-le que c'est trop bien! Oui, j'ai vu qu'on pouvait mettre des calendriers, mais là, en fait, je suis en train de faire ma compta dessus parce que je me dis comme ça, au moins, j'aurai la déterre de faire ma compta. Enfin, bref. Notion. J'aime trop Notion. Bref, tout ça pour vous dire que y a des solutions, et ces solutions-là, en tout cas, elles m'ont bien aidée. Et un petit truc en plus que j'aimerais rajouter par rapport à ça, et là, c'est plus pour l'accro des planeurs qui est en moi, c'est de faire des jolies to-do list. C'est-à-dire que... rien que le fait d'avoir un beau truc avec écrit tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire machin, etc. Ça me donne envie, moi, de cocher les petites cases, et du coup c'est une petite motivation supplémentaire qui peut être pas mal. Moi je pense que si vous avez un système d'organisation, c'est bien qu'il soit efficace quand même, c'est un peu la base, mais je pense que c'est aussi super important qu'il vous plaise et que vous preniez un petit peu de plaisir à l'utiliser, parce que sinon, si à chaque fois vous vous mettez dedans, vous dites oh là là c'est une horreur ce logiciel, j'y comprends rien, il est pas beau, gna gna, c'est un peu plus compliqué quoi, et... et voilà. Et les notifs, faut être tenté de répondre à tout le monde. Ouais, mais tu vois, ça c'est typiquement le genre de truc que je fais en doublon avec plein de trucs. En général, genre je parle avec plein de gens différents. Ou alors je suis en train de gribouiller sur mes trucs et je fais un autre truc à côté. Et je sais que c'est pas bien de faire ça en plus, mais j'adore faire ça. J'arrive pas à m'en empêcher. En fait, moi ça me fait... enfin, je fonctionne bien avec les mini-pauses, c'est-à-dire que genre je m'arrête 5 minutes, je réponds à tout le monde, et après je fais un truc, et après je me réarrête 5 minutes, etc. Et ça me garde dans le flow, justement. Musique DVD. Sérieux. Ça m'a tellement choqué d'entendre ça, quoi. Musique DVD. Je t'imagine tellement pas comme ça, Nadiouche. Une heure ou moins que ça pendant les pauses réglementaires. Bah, moi, la musique que j'écoute, c'est tout sauf de la musique de concentration, en fait. Moi, c'est de la musique qui me met en joie parce que du coup, je chante. Je chante très très fort. Et du coup, ça me met grave en joie parce que je suis là genre « Ouais !» Merveilleux. Sensei. Oh là là, j'ai plus la même vision de toi maintenant. Enfin bref, je vais vous faire un petit récap parce que du coup là je suis vraiment partie dans tous les sens et on va arriver à la fin du PowerPoint. Le récap de tout ça, c'est quoi? Pour passer à l'action, vous avez 3 solutions que je vais vous récapituler ici. Pour moi déjà, il faut faire uniquement des trucs utiles. L'idée c'est que vous sachiez quels soient ces trucs utiles et pour ça, bon... peut-être pas en refaire tout un pataquès, mais c'est important que vous suiviez les bonnes formations, que vous soyez accompagné par les bonnes personnes, et que vous sachiez un petit peu quelles sont toutes les possibilités, sans pour autant vous noyer dedans. Un truc qu'on dit souvent, que j'entends souvent, c'est oui, si jamais vous essayez de vous former auprès d'une personne ou un truc comme ça, essayez, mais auprès d'une personne seulement, ou alors d'un groupe de personnes qui a à peu près les mêmes idées, etc. Parce que si vous commencez à écouter tout le monde... vous allez vous rendre compte qu'il y a des conseils qui sont complètement contradictoires parce que personne n'a la même manière de travailler et personne n'a forcément eu le même parcours, donc c'est à vous de voir avec qui vous avez le plus envie de travailler à ce niveau-là. Et je vous conseille vraiment de vous concentrer sur une personne à la fois ou sur type de... Ah, je trouve pas mon mot. Je trouve pas mon mot. Bref, un type de contenu et... un groupe de personnes qui sont un petit peu dans les mêmes idées plutôt que d'aller voir à gauche, à droite ce qui se fait.
Ouais, mais Nadia, j'ai remarqué, par rapport à chaque fois qu'on parle de ce genre de trucs, de comment tu fonctionnes, comment je fonctionne, moi j'ai l'impression que tous les trucs que je fais, c'est des trucs qui, toi, t'achèverais, mais complet. Alors que moi, c'est des trucs qui me mettent vraiment en joie, tu vois. Milady, c'est trop mignonne. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que c'est important que vous gardiez ça en tête. Deuxième truc pour passer à l'action, ayez quand même des objectifs clairs, hein, parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas ce que vous visez. Ça paraît assez logique dit comme ça, mais c'est le reflet de la réalité. Et n'ayez pas peur de bien découper vos objectifs, hein, genre vraiment faire des trucs... Enfin, par exemple... exemple vraiment nul. Vous devez ranger votre chambre. Vous avez la flemme de ranger votre chambre, ce qui se comprend, parce que la chambre est vraiment en bordel. Bah vous commencez par des petites étapes, par exemple, voilà, étape 1 du projet, ranger sa chambre, ranger la table de chevet, ensuite faire le lit, ensuite ce genre de trucs. Et le fait de découper comme ça, ça va vous donner l'impression que c'est moins gros, et en plus de ça, ça va vous permettre d'avancer un petit peu, et bah, ça vous permettra de mieux atteindre vos objectifs. Donc là, on parle de ranger sa chambre, mais ça s'attribue aussi très bien, et surtout... à votre business, faire attention aussi à privilégier les bonnes actions, comme on disait, enfin, ne pas perdre non plus trop de temps à faire des choses un peu inutiles qui vont pas forcément vous rapporter sur le long terme, mais plus poser des petites graines, on va dire, qui vont pousser pendant longtemps après, en fait. Je pense que c'est ça qui est très très important. Et enfin, dernière chose, last but not least, c'est... Enfin, j'ai écrit comme ça, mais je trouve que c'est pas le genre de truc que je dis d'habitude, mais voilà. Gardez le bon mindset. C'est genre, enfin, moi je comprends pas les gens qui espèrent passer de bonnes journées et rester motivés en tirant la tronche toute la journée et en passant leur journée à pleurnicher. Enfin, je suis désolée, c'est... Enfin, je dis ça, ça sonne vachement méchant, mais c'est pas pour sonner méchant. Pour moi, si vous êtes de bonne humeur, déjà, il y a un énorme progrès qui est fait, et je trouve que... La plupart des gens, on dirait qu'ils sont dans une logique de « Ah là là, aujourd'hui j'ai vraiment envie de passer une mauvaise journée, j'ai vraiment envie que tout le monde sache à quel point je suis en train de passer une mauvaise journée, à quel point la vie est nulle. » Alors je dis pas qu'il faut être heureux et joyeux tout le temps, parce que ce n'est pas possible, mais je dis que c'est bien d'essayer de l'être au maximum et de pas trop se prendre la tête sur des trucs, parce que des fois, je vois des gens se prendre la tête sur des détails, et je me dis « Mais pourquoi ?» Pourquoi gaspiller cette énergie et ce temps ? No time, meuf, comme dirait Nadia ! Sérieux, pourquoi vous faites ça ? Donc essayez d'être positif, essayez d'être bienveillant envers vous-même, et essayez de ne pas être tout le temps là en train de vous forcer à faire des tas de choses. Moi, si, je pense que ce qui m'a permis justement d'être motivée comme ça, c'est d'être toujours dans un truc où je me sens pas forcée de faire ce que j'ai à faire, et où quelque part je sais que j'ai toujours le choix, que si j'ai pas envie j'arrête, et que voilà, y a pas de drame, et c'est pas grave si aujourd'hui je glandouille, quoi. Donc voilà, restez motivée, et suite à tout ça, moi, tout ça là, tous ces trucs là, si jamais vous sentez que vous avez besoin par rapport au fait de passer à l'action, de faire grandir votre business, ou même juste de lancer votre business, d'appliquer vraiment les choses que vous apprenez, et de bien choisir les actions qu'il faut mettre en place, il y a quelque chose qui va vous intéresser, et je l'ai un peu abordé un petit peu avant, c'est les royals. Et du coup, je vais sûrement conclure là-dessus. Donc, les royals... Les royals... Ma voix est partie en couille. Bref, les royals, qu'est-ce que c'est ? Les Royals, c'est déjà offert avec la formation YouRock pour le premier mois d'essai. Donc là, vous savez que j'ai sorti une formation sur comment créer une chaîne YouTube qui attire du trafic qualifié. En achetant cette formation, vous avez la possibilité d'avoir un mois d'abonnement offert, parce que c'est un abonnement, les Royals. Et c'est pas juste un abonnement, en fait, c'est j'ai voulu vraiment en faire un truc un petit peu plus complet pour vous aider à passer à l'action, parce que je me rends bien compte que c'est un gros problème, ça, qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas de passer à l'action, et c'est pas grave, hein, on passe tous par là. Mais ne restez pas dans cette situation là parce que, comme on l'a dit, J-84 les amis, donc si vous voulez que les choses avancent, malheureusement il va falloir que vous avanciez, et c'est aussi dans ce sens là que ça s'adresse pas à tout le monde. Là, c'est quelque chose que je propose surtout aux personnes qui ont vraiment envie d'avancer. Donc si votre objectif c'est toujours de regarder des formations sans faire attention, ça ne va pas vous intéresser, je suis désolée. Donc qu'est-ce que c'est que les Royals? Vous avez accès à plusieurs choses avec ça. Déjà, vous avez accès à une formation par mois. Donc la formation du mois, là, actuellement, c'est YouRock, donc la formation sur YouTube. Vous avez accès à vie à cette formation, hein, donc même si vous passez par l'abonnement, vous aurez encore, vous aurez encore accès au module. Mais avec l'abonnement Royals, en plus d'avoir juste accès à la formation et au module, vous avez aussi accès à plusieurs autres petites choses, notamment des goodies qui sont en rapport à chaque fois avec la formation du mois.
Et vous avez le droit, comme vous le voyez, à un support vocal via Discord. Donc si jamais vous n'avez pas encore rejoint le Discord, vous pouvez le rejoindre. Milédia va sûrement vous mettre le petit lien. Et vous avez le droit à une partie privée VIP sur le Discord où moi je peux vous dépanner même en support vocal si besoin. Et le cœur un petit peu de cet abonnement, c'est même pas les goodies, c'est même pas le support vocal, c'est vraiment le truc en plus, ce qui est donc ce fameux micro-coaching. Et ça me paraissait important de vous aider, enfin de vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce micro-coaching, parce que c'est quelque chose de nouveau que je lance, donc je comprends que tout le monde ne sache pas exactement de quoi je parle. Donc l'idée c'est quoi? C'est que, en fait, pendant 20 jours, donc pourquoi 20 jours? Parce que dans un mois complet, en comptant les week-ends, vous avez 21 jours travaillés, donc là j'ai raccourci à 20. Vous avez 20 jours de micro-coaching inclus. Donc ça vous permet de travailler tous les jours, comme je le disais, du lundi au vendredi, en consacrant, on va dire, 1 à 2 heures par jour au truc. Vous pouvez suivre tout ce qui est dit dans les micro-coachings. Et l'idée, c'est quoi? C'est que chaque jour, pendant ces 20 jours, vous avez des objectifs clairs et précis qui vous sont donnés par rapport à la formation dont il est question. Donc là, l'objectif du micro-coaching pour ce mois-ci, vu que c'est rattaché à la formation UROC, c'est de vous accompagner pour créer vos premières vidéos sur YouTube. Donc si vous partez de zéro sur YouTube, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un format qui est très intéressant parce que c'est quelque chose qui vous attire vraiment sur le long terme. On parle pas de un jour de publication Instagram, là on parle vraiment de plusieurs mois, voire plusieurs années où vous avez une vidéo qui est bien référencée. Donc c'est quand même intéressant parce que dans cette formation je parle aussi de référencement. Et ce qui est intéressant comme je vous le disais c'est que vous avez donc cette liste d'objectifs tous les jours, mais en plus de ça vous avez un audio tous les jours où je vous explique un petit peu voilà ce qu'il faut faire pour ces objectifs, où je vous donne des conseils supplémentaires etc. Et en plus de ça vous avez donc comme je le disais accès au support direct via Discord. Donc Discord pour resituer c'est une plateforme de chat en direct qui est un peu un mix entre un forum et un groupe Facebook. Et qui vous permet du coup de me parler tous les jours. Et tous les jours, en fait, vous pouvez être accompagné là-dedans, me poser vos questions, je peux vous aider directement sur les objectifs qu'il y a à faire pour le jour. Et je dis quasi quotidien, pourquoi? Parce que, en général, je suis là les week-ends en réalité, mais je me dis peut-être qu'il y a des week-ends où je vais avoir envie de me reposer. Donc quasi tous les jours, je pourrais être en train de vous dépanner. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser si voilà, vous avez l'habitude de m'acheter souvent des formations, que c'est plus simple pour vous de passer sur un abonnement mensuel. Et que vous voulez vraiment appliquer en fait ce qu'il y a dedans. Que là vous êtes sûr pour le coup avec le micro-coaching que vous avez des petites étapes, des petits pas chaque jour. Et chaque jour vous avancez vers votre objectif final. Qui est donc pour ce mois-ci du coup de créer une chaîne YouTube qui attire du trafic qualifié en masse. C'est très nul comme truc mais vous avez compris l'idée. Et du coup bah fallait que je vous présente un petit peu tout ça. Hein, parce que avec les Royals, vous avez la possibilité du coup de ne plus stagner, parce que moi je suis là derrière en train de vous aider et de vous conseiller, vous n'êtes plus tout seul aussi, c'est quand même très important. Vos statistiques, parce que l'objectif global des Royals, donc ça va être toujours des formations sur le même thème, ça reste toujours de vous aider en fait à augmenter vos résultats d'une manière ou d'une autre. Comme je l'ai dit, la prochaine formation, de toute façon, ce sera une formation organisation sur Notion. Donc, si ça vous intéresse, profitez-en. Donc, ça vous empêchera de stagner vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Surtout, je pense que c'est un truc qui vous tient quand même à cœur. Si vous êtes lancé, c'est pour réussir. Et voilà, si vous voulez réussir, moi, je suis là pour vous aider. Alors, c'est pas une obligation, bien entendu, hein, mais je le reprécise, là, c'est vraiment... Quand je dis micro-coaching, j'ai vraiment envie d'être là pour vous aider. Donc, si jamais, vous sentez d'attaque à vraiment le faire, vous êtes les bienvenus. Et sinon, j'espère que ça vous aura plu, ce petit PowerPoint que j'arrive à la fin. Et je vais le fermer. Du coup, je vous laisse me poser vos questions si jamais vous en avez. Et j'ai terminé mon PowerPoint. Voilà, je suis grave contente. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce que c'était pas trop chaotique, toute cette histoire? Ah, écranception! Voilà. Recoucou, c'est moi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous a plu? Faisons un petit débrief, là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Voilà, il y a des trucs, peut-être, sur lesquels vous voulez qu'on revienne par rapport à tout ça. Et désolé pour ce PowerPoint fait à l'arrache un après-midi. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et voilà. Était magnifique ton PowerPoint. Alors magnifique n'est peut-être pas le mot adapté, mais j'apprécie j'apprécie la flatterie. Êtes-vous toujours là? Je vais bosser mon YouTube. Oui, oui, oui.
Mais c'est vrai que moi je trouve ça dommage parce que j'entends beaucoup de gens me dire ouais j'aimerais trop me lancer sur YouTube et machin etc. Mais ils y arrivent pas, enfin c'est pas qu'ils y arrivent pas, c'est qu'ils osent pas. Je sais qu'un gros problème, je suis en train de vous préparer un truc, enfin un mail là-dessus justement. Un gros problème qu'on a sur YouTube c'est le fait de montrer sa tête. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins convaincus d'avoir une sale tête. Et ça fait peur en vrai, enfin... Je comprends que ce soit gênant et que ça fasse peur, parce que moi-même, quand j'ai posté mes premières vidéos, je me disais « Oh, imagine, mes collègues, ils voient ça !» ou ce genre de truc. Donc, l'habitude d'écrire tes articles à la voix. Tu sais que j'y ai pensé, James, je voulais... Enfin, j'essaye de voir, d'ailleurs, si quelqu'un ici a un retour à me faire sur le logiciel qui s'appelle DragonSpeak. Je m'étais fait la même réflexion, tu vois. Je m'étais dit « Ouais, je vais peut-être les faire en reconnaissance vocale. » Mais le problème, c'est que la reconnaissance vocale, c'est pas terrible. Moi, je trouve que ça comprend jamais ce que je dis. Ou alors, je parle en articulant très mal. Allez savoir. Mais voilà, quoi. Je viens de recevoir ton petit message, Mileya, avec ton petit weekly planner. Mais moi, je trouve qu'elle est pas efficace, les reconnaissances vocales, je les trouve pas efficaces. Je sais pas si, voilà, vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous êtes tous partis ou quoi? Depuis tout à l'heure, je parle dans le vide, personne me dit rien. On est 24, comment se fait-il que sur 24 personnes, il y ait 3 personnes qui parlent? Vous vous rendez compte à quel point c'est triste? S'il vous plaît, dites quelque chose. J'ai fait un PowerPoint. L'argument ultime, quoi. J'ai fait un PowerPoint, s'il vous plaît, respectez-moi. Oh là là. Milédiou, j'étais trop sympa. Le montage qui te paraît difficile? Bah, c'est vrai que le montage, quand on s'y connaît pas, c'est grave technique. Ça peut être très très technique et ça peut être très très compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui fume. Ce n'est pas ma cigarette. En fait, c'est bizarre parce que je le vois dans l'écran, mais je le vois pas dans la vraie vie. Allez savoir. On n'a pas de questions. Bon, bah c'est que j'étais assez claire alors. Je suis là depuis combien de temps? 1h20? Bon, je vais peut-être rester un petit peu et après je vais vous abandonner lâchement alors dans ce cas-là. Et donc oui, par rapport au montage, enfin, en soi le process du montage, je comprends qu'on ne sache pas trop par quel bout s'y prendre et que ça puisse paraître compliqué. Mais... Deux, trois autos et l'habitude devient une habitude justement. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais. Le début, il est toujours douloureux. Hein. Regardez, enfin, franchement, moi, je me souviens que les premières vidéos que j'ai faites, je faisais pas la maline. Hein. Franchement, j'étais pas à l'aise. Et si je l'avais pas fait, je serais toujours pas à l'aise, en fait, là, maintenant. Le problème, c'est que les gens attendent d'être prêts. Sauf que, enfin, vous pouvez pas juste attendre d'être prêts. Il faut s'exercer pour être prêt, sinon ça ne marche pas. Et coucou, Nita! J'avais même pas vu que t'étais là. 90 minutes? De quoi? De quoi tu nous parles? Donc voilà, je sais plus trop quoi vous dire du coup, en réalité j'ai fait tout mon blabla. Je m'étais dit, est-ce que je prépare une roue pour après? Et en fait, je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire cette semaine, en réalité. Du coup, je vais garder mes sujets pour la semaine prochaine. Je cuisine en même temps. Mais tu es là par le cœur, ça me va. Donc bon. Voilà. Et du coup, est-ce que vous êtes chaud alors pour cette formation organisation qui va bientôt arriver sur Notion? Parce que je vous assure que ce truc-là, je l'aime d'amour. Il est trop bien. Genre, tous les matins, quand je me réveille, je me fais « Ouais, j'adore ce truc, il est trop bien !» Ah, trop cool! Avec l'abonnement Royals? Du coup, vous avez plus de contenu hein, avec ça, hein, si jamais ça vous intéresse. Et ça vous permet, comme je disais, d'être là pendant toutes les... d'avoir accès à tout et d'avoir accès à moi aussi de manière illimitée, n'est-ce pas? Là, une grande chance, n'est-ce pas? Allez dire ça à mon copain. Mais les gars, j'étais trop chou.
Bah, c'est vrai que j'en avais fait une sur l'organisation. Je l'avais faite il y a un an de ça. Et c'est vrai que moi, avant, toute mon organisation était autour de Trello principalement. Et là, j'ai trouvé quelque chose de vachement plus complet avec Notion et vachement personnalisable. Et c'est grave pratique aussi. Et même pour les trucs que vous apprenez, vous savez, quand vous lisez des livres, je sais pas vous, mais moi, je galère tout le temps, en fait, de passer du livre à une fiche ou un truc comme ça. Je savais jamais comment m'y prendre. Et maintenant, du coup, je mets tout là-dessus et c'est pratique de ouf. Elenia, t'es trop mignonne. Bon, sinon, à part ça, est-ce que vous avez un sujet que vous voulez qu'on aborde pour conclure ce live sur une note positive, sur une note hors sujet, peu importe? Est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet qui vous tient à cœur, un problème que vous rencontrez actuellement et que vous voulez qu'on débatte ensemble? Faites-vous plaisir, c'est maintenant ou jamais, parce que d'habitude, j'ai beaucoup plus de choses ridicules à dire. Marre d'avoir 15 000 cahiers. Oui, justement, je trouve que Notion, moi, ça me rappelle un petit peu ce délire de bullet journal, vous savez. Sauf que je me souviens que j'avais un bullet journal il y a grave longtemps. Et j'adorais faire des dessins, des trucs comme ça dessus, mais ça prend beaucoup trop de temps. Ça prend beaucoup trop de temps. Licorne. C'est ça ton idée de sujet? Sérieux? Un expert en time management? Pourquoi tu cherches un expert en time management, mimim, c'est dur à dire. Mimim. Oh là là. Vous trouvez pas que je suis pâle? J'ai l'impression que j'ai des grosses cernes de dingue là. Bref. Pour se forcer des récompenses ou des punitions. Ah non, effectivement, j'y ai pas pensé. Mais moi, je fonctionne pas trop comme ça, honnêtement. Toi, tu fonctionnes comme ça, James? Je croyais que c'était toi la deuxième plus grosse feignasse du monde après moi. Comment tu as fait pour passer outre le regard de tes collègues? En fait, c'est des gens que je vois plus quasiment. Enfin, les seuls anciens collègues que je vois, c'est des gens qui sont bienveillants et qui sont pas dans le délire de « je vais me foutre de ta gueule » en fait. Donc du coup, à la rigueur, je m'en fous un petit peu vu que c'est des gens que je vais pas voir. Puis après, tu te dis, de toute façon... Enfin, je me suis déjà fait la réflexion. Je m'étais dit, ouais, imagine, tu les croises dans la rue, etc. Parce que j'avais des collègues vraiment très très cons. Hein. Mais, pardon, je suis désolée, c'est sorti du cœur. Enfin bref, j'avais des collègues très très, voilà. Et je me disais, imagine, un jour, tu les croises dans la rue, et ils viennent et ils se foutent de ta gueule pour ça. Et je me disais, mais enfin, de quoi ils se moqueraient, en fait? C'est quoi le truc? Parce qu'en attendant, moi j'ai mon business, vous êtes encore en train de bosser là, moi je suis tranquille chez moi toute la journée, ok, je fais la guignole sur YouTube, y a pas de souci, mais en attendant, ma vie est quand même vachement plus pépouse que la vôtre, alors faites-vous plaisir, moi c'est pas mon problème. Oui, je me punis constamment, pourquoi je me sens sale à chaque fois que je te parle, Jess? La partie accompagnement des Royals. Alors non, c'est des audios, ils sont tous dispo dans l'espace formation au niveau des Royals Didi Spy. C'est-à-dire que tous les mois, tu vois, t'auras un espace dédié avec une partie formation du mois, donc avec la formation associée, là c'est la YouRock. T'auras des goodies et t'auras une partie micro-coaching avec pour chaque jour un onglet, en fait, à ouvrir avec chaque jour un audio plus une petite liste d'objectifs. Et après, tu vois, dans les objectifs, justement, à chaque fois, il y a, si jamais t'as besoin d'aide pour telle étape, par exemple, trouver des idées, viens sur le Discord, etc. Et ça, c'est inclus dans le coaching. Enfin, dans le coaching, dans le Royals. Et c'est ça que j'appelle le micro-coaching, justement. C'est que t'as quand même une base, tu vois, la base audio de moi qui te dit, ouais, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et youpi, tu peux le faire, youpi, t'es la meilleure, etc. aussi, quand même, faut pas oublier. Et à côté, il y a quand même un support qui est plus présent, parce que le problème des supports par mail, c'est que c'est un peu difficile pour moi à gérer. Et heureusement que Milady est là pour m'aider, mais c'est vrai qu'avec avec le Discord, c'est plus facile pour moi. Et voilà. Ne pas avoir le droit de faire une autre tâche avant d'avoir fait celle-là. Mais j'ai le droit de glander. Oui, mais t'as une organisation particulière quand même. Coucou Pauline, t'arrives à la fin, c'est trop triste. Et j'ai l'impression que t'es punie depuis que je te connais, en fait. Et je commence à te connaître depuis longtemps. Hein. C'est fou, je me faisais la réflexion comme ça, je me disais, mais c'est dingue, parce que le temps passe tellement vite. Vous vous rendez compte que ça fait depuis 2 ans que je suis là? Enfin, 1 an et demi, ça va faire 2 ans bientôt. Mais c'est énorme, 2 ans. Je sais pas, ça me paraît grave...
Ça me paraît grave loin, enfin, je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que quand on travaille à la maison, le temps passe tellement plus vite. Le nombre de fois où je me suis dit, quoi, on est déjà ce mois-là? C'était compliqué, hein, c'est... Que j'explique comment faire des lives sur YouTube. Alors j'aborde le sujet, mais c'est vrai qu'au moment où j'aborde le sujet, donc je donne des conseils hein, pour lancer ses premiers lives, etc. Il y a un truc que je précise quand même et que du coup je vais te dire là, c'est que enfin pour moi, c'est pas intéressant de lancer des lives si t'as pas déjà une audience de base. Parce que les premiers lives, et vous le voyez même là, on n'est pas super nombreux. Si pour vous faire une idée, moi j'ai une liste de 2000 personnes, je crois, un truc comme ça. 2000, enfin, ouais, dans les 2000, on va dire. J'ai une liste de 2000 personnes, j'ai 1000 abonnés YouTube, on est 20, on est 19. Vous voyez un peu l'idée. Donc, je conseille pas forcément de commencer par là. Je pense par contre qu'à partir du moment où on a déjà une base, une audience de base, même si c'est pas une audience gigantesque, parce que 2000 c'est pas énorme, hein, c'est quand même c'est un bon moyen de créer une habitude chez les gens et de mieux connaître les gens. Parce que enfin, là, regardez finalement. On se retrouve quand même assez souvent le mercredi, pour ceux qui parlent, et ça devient un peu une habitude, et c'est plutôt sympa. Enfin, moi je sais que je parlais beaucoup moins avec mes clients et avec les gens qui regardaient mes vidéos ou qui lisaient mes articles, parce qu'il n'y avait que le retour des commentaires, et tout le monde ne laisse pas forcément un commentaire, alors que dans un truc en direct comme ça, vu que je vous réponds, ça donne un peu plus envie de communiquer. Et une erreur aussi que les gens font quand ils font leur premier live, c'est qu'ils y vont et ils disent, je vais répondre à des questions. Mais non! Déjà, regardez, imaginez, même si moi, et enfin, je me prends vraiment pas comme un exemple, mais je vous donne mon exemple du haut de mes 17 téléspectateurs. Si moi, je me mettais à vous dire, ok, on fait un live, posez-moi vos questions. À chaque fois que je vous ai dit, posez-moi vos questions, vous avez vu le vent que vous m'avez mis ou pas? Alors imaginez avec un niveau un peu plus faible de personnes, c'est très très compliqué. Enfin, je le sais parce que j'ai fait des lives avec 5-10 personnes des fois. Ouais, il y a eu des lives, on était 5. Heureusement, parmi les 5, il y avait des gens qui parlaient. Mais il y a beaucoup de gens, et moi je suis comme ça quand je regarde des lives, qui regardent juste et qui se taisent en fait. Et du coup, si vous venez juste pour répondre à des questions et que vous savez pas quoi dire, vous allez être gêné tout du long, ça va être une catastrophe. Vous allez être là genre, oh, qu'est-ce que je dis? Au secours et machin. D'où la roue, justement, parce que du coup, j'ai des trucs à dire. Enfin bref. Je fais plus que mon âge. Arrête parce que là j'arrive vers l'âge où c'est plus trop un compliment de dire ça. Mais en tout cas, merci pour le petit compliment juste derrière, histoire de pas me sentir trop mal. C'est grâce au live que je me suis attachée à Maïni. Juste pour ça! Ça ne va donc pas plus loin! Oui, c'est ça. C'est ça, faut l'animer. Enfin, faut savoir quoi dire surtout. C'est pour ça que, enfin, là, je viens avec un PowerPoint, mais comme je vous disais, d'habitude, c'est la roue. Parce que, enfin, en soi, j'ai toujours des trucs à dire, mais si j'arrive et que je vous pose pas de cadre ou que je vous dis pas, on va parler de ci, on va parler de ça, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est. Même moi, à un moment donné, je saurais plus quoi dire, parce que, enfin, si on lance pas de conversation tout seul, quoi. Enfin, c'est difficile de discuter tout seul. C'est pour ça que, enfin, il y a des gens que je connais qui font des lives et qui font pas de vidéos YouTube, mais qui font des lives et qui ont peur de la vidéo YouTube parce qu'ils se disent, ouais, mais en live. Il y a le comment dire le retour. En fait, vous n'êtes pas là en train de parler tout seul. Vous avez des gens qui vous parlent et vous avez voilà, vous pouvez répondre quoi. J'ai commencé à vendre des formations combien de temps après la création du blog? Je crois que c'est. J'ai lancé le blog en novembre et ma première formation est sortie en février. Donc ça fait novembre, décembre, janvier, février. 4 mois? 4 mois, je pense. Et coucou Priscille, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. T'es trop mignonne, Milédia. Oui, mais tes arcs-en-ciel quotidiens aussi sont un bon truc. Je ne peux plus vivre sans mes arcs-en-ciel quotidiens. D'ailleurs, si jamais vous voulez que voilà, on discute un peu plus souvent, n'oubliez pas qu'il y a le Discord, parce que enfin, j'ai créé un Discord. Je vous avoue que cette semaine, enfin la semaine dernière surtout, j'étais pas assez dans le mood pour être très très active dessus, mais Milédia prend très bien la relève, je trouve. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et ce serait plutôt cool. Et comme ça, on pourra se parler plus souvent. Et comme ça, si vous avez des soucis et tout ça, peut-être que vous ne serez pas seul. En fait, l'idée, c'est que, enfin, moi, je pense aussi que c'est un gros problème d'être tout seul et qu'on s'en rend pas forcément compte, surtout quand on a un caractère où on se dit, ouais, moi, j'ai besoin de personne et ni rien et tout.
Parce que moi, je suis un peu dans une logique comme ça de « Ouais, j'ai besoin de personne, de toute façon, je suis une solitaire, etc. » Et je me suis rendu compte que, en vrai, ça me mettait grave de bonne humeur de parler à des gens. Et que moi de bonne humeur égale moi avec de l'énergie. Moi avec de l'énergie égale moi productive. Donc tout est lié. Voilà. Long égale king, hein. Je sais pas tout. Ah, et les kings, ça arrivait quand par rapport à la création? Les kings, ça arrivait un an après la première formation. Enfin, ouais, un an, c'est ça. Parce que c'est sorti en février, là, de l'année dernière, il me semble. Et bah, c'est arrivé, en fait, au moment... En fait, j'ai toujours voulu créer un truc comme ça, parce que pour moi, c'était vraiment le genre de formation que j'avais envie de créer. Genre, comment créer son blog, etc. Parce que je veux vraiment aider les gens à faire comme moi. C'est triste à dire comme ça, mais... Enfin, à faire un peu comme moi, dans le sens où... Enfin, moi, je vois à quel point ça m'a un peu sauvé la vie, vous savez. Et je sais que ça peut sauver la vie de plein de gens. Et du coup, j'étais un peu dans ce délire-là de « Ouais, sauve-moi la vie des gens !» Et je savais que je voulais le faire, mais je me disais « Ouais, je vais pas le faire tant que moi, je vis pas de mon blog. » Parce que c'est complètement con, sinon. Si j'arrive et que je vous dis « Hey, je vais vous apprendre à vivre de votre blog, mais moi, je sais pas comment on fait, c'est pas bon, quoi. » Du coup, je voulais attendre quand même d'avoir un... Enfin... Même pas de juste en vivre, mais de voilà d'avoir des revenus où je me disais « Ok, là, je me sens légitime de dire aux gens « J'ai des conseils à vous donner et c'est des conseils qui marchent, en fait. » Et du coup, dès que ouais un an après la première formation, vu que ça faisait déjà depuis plusieurs mois que ça se passait très très bien pour moi, je me suis dit « Bon, bah, testons !» Et j'ai testé et ça a bien marché. Tu t'es rendu compte qu'en vrai, t'aimes les gens. Alors, pas tous les gens, qu'on soit bien clair. Parce qu'il y a encore des gens que je peux pas me voir en peinture. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui valent un peu la peine. Comment je fais pour toujours avoir des idées de contenu? Bah c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à gérer les trucs que vous avez à faire par rapport à votre énergie. Je sais qu'il y a des fois où je suis pas dans un mood où je vais faire plein de trucs, mais où je suis plus dans un mood où voilà, je rêvasse, je brainstorm... C'est ce qu'on dit au lieu de dire de rêvasser. Bref, je brainstorm. Et je ne raconte pas ma vie, je fais du storytelling. Bref. Mais ouais, moi j'adore... Enfin, je sais que j'ai des périodes comme ça où tu vois, genre je vais avoir plein d'idées. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je profite de ces périodes où j'ai plein d'idées pour tout noter. Et comme ça, quand je manque d'idées, j'ai toujours voilà, plein de petites notes, plein de petites idées et des trucs que je prends voilà, si jamais il me manque quelque chose. Mais après, c'est vrai que j'ai de la chance d'être relativement souvent inspirée, je pense. Non, j'ai pas peur de ça, Pauline. J'ai pas peur de ça, parce que enfin, il y aura toujours des choses à dire. Il y aura toujours des choses à dire. Et même quand tu sors des trucs, enfin, je le vois même avec certaines formations que j'ai, tu vois. Même moi, ma manière de réfléchir, les techniques que je découvre et tout ça, même sur les formations qui existent actuellement, exemple, la formation organisation, je dis pas que la formation organisation que j'ai, elle est obsolète, etc. Mais là, j'ai changé d'organisation et j'ai une nouvelle méthode à vous présenter et une nouvelle manière de faire de vous présenter aussi. Donc ça justifie de toute façon que je recrée autre chose par-dessus. Donc je pense que même si un jour j'ai pas d'idée, il faudra de toute façon que je réactualise un petit peu le contenu que j'ai créé et voilà, refaire des trucs, pourquoi pas sur les mêmes sujets. Mais de toute façon, il y a tellement, tellement de choses à dire. Pour moi, on n'en aura jamais marre, hein. Enfin, on n'en aura jamais marre aussi, mais on manquera jamais d'idées. Enfin, et puis tu peux pas manquer d'idées, en fait, sur un truc que t'aimes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, enfin, genre, enfin, je sais que j'ai... Un truc que je dis souvent, c'est que, enfin, j'ai l'impression que... En vrai, j'aurais pu choisir un meilleur thème que ça, mais y a rien qui m'intéresse autant que ça. Et c'est parce qu'il y a rien qui m'intéresse autant que ça que j'arrive tout le temps à trouver des idées et que je manque pas trop d'inspiration à ce niveau-là. Après, c'est comme tout le monde, il y a des jours où ça vient et ça part, quoi, mais... Des listes d'idées, ouais, je fais comme toi, Milédia. Et ça aide de dingue, parce que, enfin, franchement, en plus, c'est super rassurant. Tu te dis, ouais, j'ai une liste de 50 idées, donc si jamais j'ai un souci, je pourrais toujours piocher dedans. Donc, voilà. Après, enfin, c'est vrai que quand t'as pas la méthodologie derrière, enfin, je prends un exemple, là, qui me vient en tête, parce que je me disais, ouais, il y a un truc où je manque d'inspiration et ça me revenait pas, mais si, ça y est, ça me revient. C'est quand je dois vous écrire des mails le matin. Parce que, enfin, même le soir d'ailleurs. Parce que du coup, là, je suis partie dans mon trip de je vous envoie un mail par jour, etc. Et faut l'écrire le mail par jour. Et il y a des fois où j'ai pas d'idée. Parce que quand je suis devant comme ça, je me dis putain, j'ai pas d'idée. Et c'est parce que ça, je l'ai un peu lancé, voilà, on va dire à l'arrache, et que j'ai pas eu le temps encore de brainstormer autour de ce truc-là et des idées éventuelles que je pouvais avoir dessus. Bah, si, ça marche normalement. Non? Attends, hein?
la lumière. Bon, dernière petite clopinasse et je vous laisse. Ah, c'est parce que y a pas le point .fr. J'ai compris pourquoi ça marchait pas. Y a pas le point .fr. Et moi j'étais là, bah si, ça marche. Tu mens, Priscille. T'imagines la meuf. Ne reviens pas ici si c'est pour me mentir comme ça. Je rigole. Reste, Priscille. Comment perdre des abonnés bêtement. Donc voilà. Est-ce que vous avez des astuces pour trouver des idées? Dites-moi, je suis curieuse. Parce que, enfin, est-ce qu'on a vraiment tous le même process pour ça? Un truc qui m'aide aussi, c'est de faire, enfin, de parler à quelqu'un. De dire, ah, vas-y, viens, on fait ça. Ah non, mais tu penses quoi si je fais ci et si je fais ça? Parce que la personne derrière te donne des idées aussi. Bah, d'ailleurs, le live d'aujourd'hui, je l'ai préparé avec Vanda, parce que tout à l'heure, j'ai appelé Vanda pendant 2h30. Je suis en journée de chill, ok? Et du coup, on en parlait ensemble, et vu que, voilà, ça m'a aidé, et ça m'a donné des idées, quoi. Depuis tout à l'heure, je n'avais pas remarqué, mais personne te l'a dit aussi. T'as eu une question en faisant la formation SEO et tu me l'as envoyée par mail. Est-ce que je l'ai reçue? Alors, je t'avoue que je me suis pas occupée des mails, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé ça. Je vais peut-être le faire demain, d'ailleurs. Milédia m'a dit ce matin, tu veux que je fasse les mails? Oui, attends. Je regarde ça. Non, je ne le vois pas. Ah, si. Si, je l'ai. Si. I got it. Yes. Je te réponds demain, si ça te va. Ou alors, je peux te répondre maintenant, mais tout le monde va trouver ça hors sujet. Mais Pauline, t'es sur le Discord, toi. Je dis pas de bêtises. Tu sais que sur le Discord, tu peux m'envoyer un message privé. Si c'est toi la Pauline, je pense que c'est toi la Pauline. Hein. Il n'y a pas beaucoup des Paulines. Faire une vidéo sur n'importe quoi. Moi, je veux que tu repayes des meufs pour faire des clips autour de System.io. Tu m'as bluffé par ton génie ce jour-là, James. C'est YouTube aussi, il souligne des liens pas bons, mais grave. Blague à part, vous savez que dans la formation UROC, je dis à plusieurs fois à quel point je déteste l'interface de YouTube, je trouve qu'elle est mais chaotique. Genre, vous cliquez sur un truc, ça vous ouvre un autre truc et vous êtes perdu. Vous dites, mais qu'est-ce qui me prend? Enfin, qu'est-ce qui me fait? Ah, tu discutes avec des amis et tu prends ton tel. Mmh. Ouais, c'est vrai que je devrais prendre des notes en parlant avec des gens. Ça me donne tout le temps plein d'idées en plus. Les gens sont inspirants. Oui, c'est vrai, j'ai pas changé. Mais si tu veux, je pourrais essayer de voir pour te répondre sur Discord après. Mais si je te réponds pas sur Discord après, on te répondra par mail demain. Est-ce que ça te va? Mélédia, es-tu dispo demain? La fille qui s'organise au calme. Bon, enfin bon, je vais peut-être vous laisser, hein, en vrai. Je suis vachement blanche ou... J'ai l'impression d'être vachement blanche. Bref. Je vais vous laisser, je pense. Et j'espère en tout cas que ce live vous aura quand même bien aidé, un petit peu. C'était un peu l'idée. N'oubliez pas du coup que la formation UROC, avec le mois des Royals offerts, est en promo de lancement jusqu'à fin de semaine. Donc si vous voulez rejoindre les Royals, si vous voulez vous lancer sur YouTube, si vous voulez être micro-coaché... il faut le faire avant que ce soit plus dispo. Et je vais regarder un petit peu pour vous dire peut-être éventuellement la semaine prochaine à quelle heure je pourrais éventuellement venir vous voir. Attendez, on est quel jour? Les problèmes de Mélanie qui ne sait plus quel jour on est le 9, ok, et la semaine prochaine c'est le 16, ok. Bon, je n'ai aucune certitude. Ce sera dans l'après-midi de toute évidence ou dans la soirée. Vous préférez quoi, l'après-midi ou le soir? What is the préférence? Est-ce que je laisse le live en rediffusion? Parce que j'ai quand même fait un PowerPoint. Bon. Il me reste ça. Donc dites-moi, vous préférez quoi comme horaire? Vous préférez le soir? Mmh. Oh, dentiste.
pas envie. Les soirs. Bon, bah, vous êtes bien. Hein, vous aimez bien le soir. Ok, bon, je vais essayer de voir ça. Je ne vous promets rien. Parce que il y a des fois où je suis un peu fatiguée. La flemme, on en a parlé, n'est-ce pas? Et voilà. Un minimum de fierté. What the fuck? Ok, bon. Est-ce que je finis vraiment cette cigarette? Est-ce que c'est vraiment donner le bon exemple aux jeunes? Est-ce qu'il y a vraiment des jeunes qui me regardent? Là, tout le monde va se désabonner en mode non, je refuse de vieillir. Oh, Junko, tu m'as trahi. Bah, de toute façon, là, je vais pas tarder à y aller. Toi, Junko, ça t'arrange quand mieux? C'était pas dans cet ordre-là. C'est quand que ça t'arrange le mieux, les lives? C'est plus le soir ou l'après-midi? Peter Pan, je refuse. Oui. Avec mon copain, chaque fois qu'on fait les courses, on se dit, mon Dieu, on a attendu d'être adulte pour pouvoir s'acheter plein de Kinder Surprise en guise de repas du soir. Ton message avec le mot a dû être modulé? Attends. Forcément, du coup, j'ai plus accès. Je ne le vois pas. On peut plus dire merde. Ah, ça y est, je l'ai, il est un peu plus haut. Se motiver de passer à l'action, de le dire publiquement dans une vidéo, pour s'obliger à le faire, pour pas passer pour une grosse merde, ok. Oui, c'est une bonne pression que vous pouvez vous mettre, c'est aussi, enfin, moi je disais plus ça dans le sens, oui, se mettre la pression en mode, ouais, je veux publier une fois par jour, etc., parce que du coup, t'es dans le flux, mais c'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis, James. C'est de dire publiquement, il y a des gens qui ont fonctionné comme ça pour leur lancement. Je pense à une personne en particulier qui fait souvent ça pour ses lancements, qui annonce qu'elle va sortir quelque chose pour se motiver justement à le faire et parce que les gens attendent, donc on peut pas se dire bon bah je le ferai plus tard. Donc voilà. Yes, je pense que je vais le laisser en rediff, Nita, t'inquiète. T'inquiète. Grave. Et est-ce que vous avez grillé qu'on est bientôt en décembre? Parce que qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Préparez-vous, on va rentrer dans la période Mélanie de Noël. C'est-à-dire que le double menton, il va arriver en mode coucou, on m'avait oublié, hein. Voilà. Je me sens visée un peu pour mon lancement. Ah non, pas du tout, Milédia, pas du tout. Après, ouais, il faut faire la part des choses entre la bonne pression et la pression où tu t'arraches tous les cheveux de la tête, quoi. Mais je l'ai relu, ça y est. Ça y est. Bon les amis, je vais vous laisser parce qu'il est tard. En plus, je viens de me mettre de la fumée dans l'œil, du coup je vais pleurer dans 5 minutes. J'espère que ce live vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais essayer de vous prévenir un petit peu, enfin au moins dans la journée, vous savez, de mettre le truc. J'ai bien pris en compte que vous préférez le soir, que vous préféreriez le soir. Et ben en tout cas j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de rejoindre les Royals, Yurok, le Discord, toutes ces choses là. Et ben moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que ben, vous serez motivé à bloc pour attaquer cette nouvelle semaine et faire plein de trucs et plein de trucs utiles s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Bon, j'arrête ça ici. J'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne soirée et ben, n'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord si jamais vous voulez un after. Exactement. Bon, si jamais vous arrivez sur le Discord, vous nous faites signe, hein, parce que si jamais, voilà, il y a quelqu'un, j'arrive. S'il y a personne, je reste là où je suis. Et je joue aux Sims. Et je construis un manoir, hein, car je construis de très beaux manoirs. Voilà. Fin de l'histoire. Je vous laisse là, passez une bonne soirée. Merci encore d'avoir été présent. Et gros bisous tout le monde. Bye bye.